Ok, eh bien écoutez les amis, créez votre lobby chacun dans vos équipes. Vous avez donc l'équipe A contre l'équipe B. Vas-y, et vous, je vais m'en occuper, j'ai tout le monde en ami. Je vous laisse faire avec un capitaine à chaque fois. Donc ce que je disais qui est important, c'est que vous allez recevoir dans quelques minutes un bingo qui est donc le même pour les deux équipes. L'objectif c'est de remplir le plus de cases possible de ce bingo avec des objectifs en tout genre. Qui couvre, on va dire, globalement tous les aspects du jeu, puisque c'est un jeu qui est très riche et qui propose plein de choses différentes. Parmi les cases de ce bingo, ce n'est pas une OP. Parmi les cases de ce bingo, certaines ne sont pas révélées et le seront seulement à la fin de la partie. Donc ça vous permettra d'avoir des objectifs bonus. Pensez à tester des choses. On récompense globalement le fait que vous soyez créatif et rigolo. On n'utilisera pas l'argent dans le jeu. Rigolo, c'est vraiment ma bio Tinder. Et eh ben c'est parfait. On n'utilisera pas l'argent du jeu comme base de scoring, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important dans les cases du bingo, mais ça vous pourrez le comprendre en lisant. Donc faire beaucoup beaucoup d'argent n'est pas forcément une condition pour gagner. On vous demande vraiment de gagner avec les cases du bingo. Si jamais vous remplissez un bingo, donc une ligne, une colonne, une diagonale, vous avez des points qui sont multipliés. Multipliés carrément. Multiplié. Ouh là là. Vous avez le droit de vous faire backciter jusqu'à l'infini parce que je sais que tout le monde ne connaît pas le jeu par cœur. Donc c'est à vous de voir à quel point vous voulez accepter ce que le chat vous dit. Vous avez le droit, si vous voulez aussi, d'aller consulter le wiki du jeu pendant la partie. Ah bon ? C'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, juste que ça vous fait perdre un temps qui est assez... question, excusez-moi, juste je ne l'ai jamais fait du coup. C'est quoi, je dois faire new ou co-op ? Je fais quoi ? Co-op. Okay. Hébergé, passé intro. Coupe. Coop, héberger, passer intro, nombre de cabanes, rajouter des cabanes, et voilà. Minto, c'est fait deux Host New Farm. Il faut rejoindre. Alors, mais je vous vois pouvez pas. Ou non ajouter des cabanes dans vos trucs, ça c'est vous qui voyez. Moi, ce que je vous recommande, c'est dans la création de la map, vous avez une espèce de clé à molette à gauche. Je vous conseille de ne pas ouvrir ce menu et ne pas y toucher. Ok. Ouais. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir exactement la même chose au niveau des saves. Jaïou, t'es hors ligne et OP Crotte aussi. Non, je suis rentré là. Dans attendez, moi je suis pas du tout prêt. Hein. Okay. Je suis dans la ferme en folie là. Je suis en train de créer mon personnage deux secondes. Ouais, je suis en train de créer mon perso. Non, pas encore, attends deux secondes. Non, c'est par équipe. Et pourquoi je vois que celle de Mintos alors ? Parce que la mienne, j'ai pas encore fini de créer, je suis pas encore créé. Va-t'en, Florence. S'il vous plaît. Je vais pas retrouver le truc rayé. Il est désagréable, Florence, comme d'habitude. Non, mais j'entends rien, vous parlez tous en même temps. Allô. De quoi qui est désagréable? Antoine. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez bu ou quoi? J'ai rien dit, j'ai rien fait. C'est laquelle la pose une question et tout le monde répond en même temps, du coup je comprends, ça ne perd. Petite calvoche. Florence, hein, Mintos dit des choses désagréables et Antoine est en train de créer la partie. Ah, d'accord, ok. Je vous préviens, juste, je vais vous donner le bingo dans quelques instants. Vous pouvez le montrer si vous voulez, ça, c'est une image fixe, donc vous en faites ce que vous voulez. Ah. Je vous préviens juste qu'on a utilisé la police du jeu qui n'est pas super lisible, donc n'hésitez pas à mettre en grand ou voilà. Ok, Créez-moi le bingo. Il est où le bingo. Attends deux secondes, je suis en train de créer. Alors comment je fais pour faire... Attends, question, quand je suis sur échappe, c'est pause? Non, slash pause, tu fais R ou entrée, tu fais slash pause. Ah ouais, on peut faire ça. Oh, ok, alors attends. Là, je peux pas écrire. Oui, ça m'a parlé. Où est-ce que j'écris? J'arrive pas à écrire. Non, pause. R, je crois. Quoi? Je vais écouter. Oh, t'inquiète. C'est Antoine. Ok, j'ai posé la game. Attends, deux secondes. Je suis désolé, mais deux secondes, faut que je configure 1000 trucs. Oh, j'ai boosté tous les volumes. Tout que de suspense. Oui, deux secondes, les gens. Oui, je sais. J'ai mis que ma chose préférée dans Stardew Valley, c'était DFG. Si jamais il y a un truc du bingo, j'ai gagné, j'ai pris. Alors, petite précision, tout ce qui est fait ou dit avant que le timer soit lancé ne compte pas. D'accord. Ah, dommage, c'est perdu. On a le droit de rejoindre Monsanto là, dans le jeu ou okay, pas? Ok, bah je mets pas DFG, du coup c'est bon, j'enlève. Ah mais j'aimais bien, tu peux laisser, hein. C'était bien. C'est vrai que l'HQ par contre, si je peux me permettre. Un peu l'HQ, ouais. J'espère qu'il y a des points malus. Est-ce qu'on a le droit de rejoindre la firme industrielle Monsanto là dans le jeu, là, ouais, comme dans Joja? Vous faites Joja. Oui. Oh la Joja Run, j'ai jamais fait la Joja Run. Je ne vous interdis rien à part de changer le type de ferme de base. Ah, la ferme de base, ok. Ouais, ferme standard, voilà. Il n'y a pas une strat là où on fait ça entre nous, là, l'équipe là? Attends, j'ai une strat. Oui, si, mais faites ça. Hein. Bah, déjà, faut voir le bingo en fait. J'ai une strat. Faites la ferme Joja, elle est trop bien. Ok, j'écoute, j'ai déjà. Normalement, vous pouvez rejoindre ma ferme, les autres, si jamais, je pense. Ok, je regarde.
mes amis. Mais pourquoi attends, pourquoi je prends en pause, je pense que c'est bon. Excusez-moi, pourquoi je suis en pause et le temps il passe quand même? Pas d'emplacement libre sur le serveur. Pas d'emplacement libre. Échappe et pause, c'est pas pareil, je ne sais pas faire pause en multijoueur. Ok, là j'ai fait pause là. Normalement, t'as un bouton pour. Normalement, c'est bon. La ferme incroyable. Au Pécrot, tout va bien? Oui. Il y a déjà un compte Twitch qui s'est rename en Ultia Gagne Stardew Valley. C'est le même compte Twitch, je crois, qui se rename à chaque compétition que le je fais. Je crois que la dernière fois, c'était Ultia Gagne Lethal Compétition. L'HQ, quoi. International. C'est grave, hein, c'est grave. Ok, est-ce qu'on peut me confirmer que tout le monde est dans la game? Non. On peut pas te confirmer. JDG et. Il a pas créé la game. Mais si, je t'ai dit, vous pouvez rejoindre. Mais là, non, il écrit pas d'emplacement libre, il y a peut-être une option pour ouvrir les spots, je ne sais pas. Oh, mais j'ai jamais fait ça, je suis désolé. Au début, t'as pas mis, j'ai dit, il faut mettre des cabanes dans les options. Ah, il faut rajouter les maisons, pardon, oui, quand même. Quoi ? C'est quoi, faut rajouter les maisons ? Comment on fait ? Excuse-moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est quand tu fais le truc, en fait, dans le petit encart à gauche. Faut que je recommence tout, du coup ? Oui, héberger parti, il faut skip intro et mettre 4 cabanes. C'est vrai que j'avais oublié que comment je fais pour mettre 4 cabanes ? C'est marqué, il y a cabane à gauche, en haut à gauche. En haut à gauche de quoi ? Quand tu fais héberger partie, nouvelle partie. Ah, du coup, je recommence, du coup ? Oui. Ouais. Ok. Ça sera plus simple. Si vous voulez le jeu en français, si jamais vous l'avez pas fait, c'est sur le menu principal, vous avez un truc en bas à droite pour mettre le jeu en français. Oh, il faut que tu quittes Florence, du coup. Mais c'est pas très important, mais c'est si vous avez envie. Moi, je vois pas le réglage sur la homepage ? Pour remettre en français ? Ouais. Oui. Mais du coup, notre personnage... Mais j'ai cherché tout à l'heure et je l'ai pas trouvé, le truc. C'est tout en bas à droite, je crois, il y a un bouton avec une bulle de dialogue. Ah, c'est ça! Moi, je pensais que c'était un espèce de chat pour report des bugs. Ouais, c'est pas très bien. Mais la traduction française est très bien faite. Est-ce que quelqu'un a. Je sais que Discord a reset les autorisations et du coup, je sais que pour te mute avec le bouton sur le Steam Deck, c'est plus possible. Est-ce que quelqu'un a déjà relié son Discord avec ça ou pas? J'avoue que j'ai mis un shortcut clavier. Non, moi, je peux faire ça. Tu peux faire ça. Mais je peux pas faire un autre. Moi, j'entends des bruits de chiens. Et j'avoue, moi aussi, il est vraiment... Oui. Mais c'est quelqu'un qui avait un Steam Deck, non ? Ah oui. I don't know. C'était il était très clean, l'aboiement. Oui, comme si trop. Le chien était devant le clavier, quoi. C'est pas moi, pour une fois. Et personne veut dire qui c'est, quoi. Super. Bah, super. Super bien, le chien, je pense. Allez, petite punition collective. Super ambiance, merci c'était beaucoup. C'était Oliver, je suis désolé. Oliver. C'était Roscoe, on sait pas, peut-être. Hein. Ah non. Par contre, il la voit comme ça, Oliver. Oui, t'inquiète. Ouais. On s'en fout, vas-y. Il l'a mué, en fait, chien de récemment, là. Hein ? Du coup, attends, je mets Starting Cabins 4, c'est ça ? Oui. Let's go ! Et skip intro aussi. Ouais. Merde, attends. Oui, c'est préférable. J'avoue, la skip intro. Il y a peut-être un bingo caché. Là, j'ai skip l'intro, là. Je peux vous dire qu'il n'y a pas. Let's go. Ok, c'est bon, vous pouvez re-rejoindre les gens de la team. Je suis désolé, je sais pas le faire. Hein. C'est très bien, tout se passe très bien. Ah, je peux choisir... Ah oui, nouveau fermier, il y a des slots, ok. Je prends le slot 4. Ah oui, tout le monde a bien choisi de mon côté, c'est bon. Ouais. On est en pause, écran noir. Pardon ? FFOP. Faut choisir son slot. Est-ce que t'as fait ton perso ou pas ? Oui. T'as rejoint après la partie ? Bah là, il écrit pause, quoi. Faut choisir un autre truc. Nickel. Ok, bon, t'as dû rejoindre, non, c'est bon. Ultia, c'est tout bon. Quelqu'un dit qu'il comprend rien au jeu alors que j'ai même pas commencé à jouer, c'est énorme. Mais qui c'est que le chien encore là ? C'est quoi ce clébard là ? C'est qui ? Non, mais c'est Chicheyou là, le petit blagueur là. C'est Chicheyou. Énorme. Le petit blagueur. En mode chien ce soir, Chicheyou là ? En mode chien. Reste en chien. Il est en mission ce soir. Attention les filles, je passe en mode chien. Je passe en mode enflure. Et c'est fou qui chantait Reste en chien, je sais plus. Oh, sûrement. Reste en chien. Ok. Ou la fouine. La fouine, Reste en chien. Pour moi, c'est la fouine. Ouais, il est parfait, mon perso. Non. Ok, alors, bon, tout le monde est à peu près bon. Ouais. Oui, je vais vous donner un lien que vous pouvez sur vos streams si vous voulez. C'est. Attendez, j'ai un problème. Ah, quand je fais slash pause, ça fait pause, retour, pause, retour, pause, retour. C'est-à-dire que je peux pas faire pause. T'as une manette branchée ? Non. Ah non, là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon. Alléluia. Ok, yeah. Ok, c'est bon. Il me dit est-ce que je veux aller dormir ? Non. On dort déjà ? En ZQSD ? Tout va bien se passer. Ou manette, ouais. Quoi, je crois que les touches sont bien par défaut, je crois, non ? Je crois que les boutons sont ZQSD de base, ouais, mais je sais pas. Non, parce je crois que le jeu est bien codé. On se déplace dans les channels en dessous, du coup ? Non, mais attends, on n'a pas le bingo du tout. Bon, mon bon DG, j'ai une question. Oui, question, oui.
Excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'on aura des petites pauses pour faire pipi? Alors, vous faites. En fait, vous avez 4 heures, vous faites ce que vous voulez. Ah, ok. Bon, bah, j'y vais. 4 heures. Non, mais c'est un test de maths ou quoi? C'est que bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Comme vous voulez, sachant que, d'après des tests, des simulations qui ont été effectuées par mes soins, en 4 heures, vous pouvez tout faire. On peut finir le centre commun, quoi. Le jeu en 4 heures, il est horrible. Ah, si on a fini en 3 heures, bah, le... c'est chiant. De toute façon, Mintos, objectif année 2, là. Ouais. Je vous mets le bingo dans l'onglet A7 sur Discord. Je vas-y. Vous le regarder, le découvrir en live. Balance le bingo, là. A6, hop, on en a déjà fait 3, hop là. Ah bon? Nous avons donc. Mais non, ils vous nous impressionnent. Visible. La police, c'est compliqué, mais on est fait. Oh, il y a la mine, je fais la mine. Je vais tout lire pour. Et oui, dis tout. Ramener 20 objets au musée, descendre à l'étage 30 de la mine, vendre 100 hamets d'un coup, trouver le caleçon du maire, remplir. Je sais où il est. Quoi, c'est vrai board, oui, je sais où il est. Ouvrir le community center, ce qui veut dire donc y gagner l'accès, hein, tout simplement. Cuisiner une pizza, finir le paquet poisson d'eau douce. Donc c'est pour ça que le jeu en français est pratique, mais de toute façon vous allez vous débrouiller. Atteindre 10 cœurs avec un habitant, construire un poulailler, obtenir un starfruit. Un starfruit trouver un partenaire starfruit. Pour la danse des fleurs. Oh non, okay. Impossible. C'est oui, c'est oui. Mais Ulti a assez faire ça, c'est du carré sur le jeu. Assister à la danse des méduses du clair de lune, atteindre le max du test de force de la foire de Stardew, avoir le plus beau stand à la foire, donc la première place, qui sera indiquée dans le jeu, gagner le concours de pêche du festival de glace, faire pousser du café, donc il faut qu'il arrive à maturité, posséder 3 épouvantails différents, posséder 3 tableaux ou déco dans la maison, tuer le boss du stage 1 des aventures du roi de la prairie. Oh, c'est pour moi, ça laisse le moins. Si vous ne savez pas ce que c'est, bonne chance à tous. Ah non, mais moi, la plupart des trucs, je vois même pas ce que c'est. Donc, Je vois tout. Je suis omniscient, ne t'inquiète pas. Toute l'équipe doit posséder un arrosoir amélioré. Et il n'y a rien dedans au niveau de la pêche, là, non? Si, il y a des trucs. Le paquet poisson d'eau douce. Mais c'est quoi, ça, le paquet poisson d'eau douce? T'es dans le centre communautaire. En fait, t'as des paquets, c'est 4 poissons. Mais attends, en 4 heures, on a le temps de passer toutes les saisons, là, machin? Ouais, il va falloir aller vite. En 4 heures, vous avez le temps d'en faire. Se concentrer sur ce qu'il faut faire, quoi. Faudra pas forcément aller au bout des journées, quoi. Voilà, il faudra s'optimiser un peu et je suis sûr que vous allez réussir à faire beaucoup plus de choses que vous pensez. Le roi à la clé en cette soirée. Moi pareil, hein. Moi j'ai rien. Merci. En fait, il y a Mintos qui a 1500 heures de jeu, Chechayu qui a 1500 heures de jeu, Ultia qui a 1000. Oh, t'es désagréable. Ça me, je t'assure que c'est vrai, c'est vrai, elle a raison, elle a raison. 37 heures de jeu, donc non, 37, pardon. Elle est désagréable, hein. Elle a pas raison. 37 en vrai Loire. Qu'est-ce que je détecte là? Un mensonge, non? Non, mais j'ai cru que j'avais 18, mais en fait. Mais on va faire de notre mieux, bien sûr. Mais on a aucune chance. Point d'interrogation. Alors, les cases point d'interrogation, donc les cases vertes, sont des cases secrètes qui seront révélées uniquement à la fin de la partie. Ah, je pensais que t'allais nous dire ce qu'il y avait derrière, quoi. Genre avoir un bébé, par exemple. Ça peut être. On peut avoir ça dans le jeu ? On peut avoir un bébé dans le jeu ? Ouais. Vous allez spoiler Antoine. Ça peut être tout n'importe quoi qui soit en lien avec le jeu. Donc, je vous laisse découvrir. D'ailleurs, je vous dis que c'est en lien avec le jeu, pas forcément. Oui, c'est vrai, ça peut être par exemple complimenter DFG, offrir 100 subs sur la chaîne de DFG, genre le truc. Est-ce qu'on se met en équipe histoire de stratifier là? Oui, et ça sera toi qui viendras nous voir en vocal pour nous dire du top quoi, globalement, c'est ça? Absolument, je viendrai vous voir pour vous dire que ça lance. Ok, très bien. Ok, au revoir. Au revoir. Ah, ça y est, c'est fini toutes les explications? Bah ouais. Bah, sauf si t'as des questions. Non, mais c'était pour être sûr. Vas-y, t'as des questions, dis-moi. J'avoue, je reste dispo dans le chat vocal si vous avez besoin de moi, donc n'hésitez pas à venir. Bah c'est mort, hein, je viens de dire. Ouais. Non, ça va le faire. Franchement, en vrai, le bingo, je vois. Ah ouais. Franchement, je vois tout à peu près. Au niveau de la meuf qu'il faut draguer, là, il faut aller choper Emily. C'est une chagasse. Elle accepte n'importe quoi. Après, non, Emily, elle accepte les trucs précieux. Et les trucs précieux, c'est vraiment la game. Ulti, elle essaie de corrompre DFG en lui faisant des compliments de fou, genre. Ah oui, bah fais pareil. Non, mais ça marchera pas. J'ai une question, plutôt manette ou plutôt clavier? Moi, c'est clavier souris, moi. Clavier souris, je pense, c'est le mieux. Moi je pense que quel est le personnage qu'on peut farm facilement pour avoir 10 cœurs avec lui? Je sais que Shane il aime les pizzas. Oui, la bière et les pizzas. Non, la bière, non, les bières c'est l'autre dans sa caravane là, c'est Pam. Mais Pam ça va super vite. Oh, Pam ça va super vite, Pam c'est incroyablement facile de la voir. La draguer, je crois, mais voilà. Non, c'est pas le but, c'est pas de la draguer, le but c'est d'avoir 10 cœurs avec un personnage. Ah oui, c'est ça. Et bah du coup Pam c'est easy du coup.
pense que Pam, alors, c'est giga rapide. Marnie, ça monte très vite aussi. Est-ce qu'on s'organise en mode genre, il y en a un qui va chercher du bois, qui va chercher des pierres et des machins? Ouais, je pense qu'il faut s'organiser. De toute façon, faut pas faire la même chose. Ça, c'est sûr. ONU, vu que c'est toi qui as le plus d'expérience, je pense que c'est un peu toi qui va diriger tout ça. En vrai. Je vais essayer. Bien sûr. Mais j'ai moins d'heures que Minto, c'est chez You. Il a une centaine d'heures, un truc comme ça. Ouais, voilà. En fait, je suis sur ma deuxième save. Voilà. Ok. Donc en gros, on peut déjà. Je sais pas quand est-ce que ça va commencer, mais on va en profiter du coup pour organiser les tâches. Oui. Le musée, en gros, le musée, ça va être surtout des pierres précieuses. Donc en fait, moi, je pense que je vais beaucoup miner. Et je vais c'est aussi des trésors que tu peux trouver à la pêche ou des trucs comme ça aussi. Hein. Il y en a un peu à la pêche, mais c'est assez rare. En vrai, dans la mine, c'est avec les géodes. Ça pop à foison. T'as raison. Étage 30, du coup, je m'en occupe aussi. Vendre 100 panés d'un coup. Alors, faut que quelqu'un s'occupe de faire de la ferme et du coup, qui plante un max. Qui veut s'occuper de la ferme? Ah. J'ai 10 heures de jeu, donc je sais pas. Bah, en fait, la ferme, globalement, faut juste. C'est une soirée où j'ai pas été conviée, c'est trop bizarre. En fait, j'ai pas le bon dress code, tu vois. Oui. En faut fait, juste que. Et moi, je suis en pantalon de pyjama, tu vois. Il faut juste que tu arroses tous les jours, globalement. Faut que tu arroses tous les jours. Il faut arroser tous les jours et il faut nettoyer au début quand même, parce que là, il faut faire. Moi, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut par contre se mettre d'accord, c'est que quand on dit qu'il faut que tout le monde aille dormir, faut qu'on y aille vite, genre. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est chaud. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, vu qu'on a 4 heures, c'est débloquer dans le centre communautaire les minecarts. En gros, c'est assez peu cher. C'est des trucs de la mine. Et après, une fois qu'on a les minecarts, on peut se TP très rapidement partout sur la map. D'accord. Il y a pas un monde où on devrait avoir vous pouvez lancer la partie. C'est parti. Let's ok, go. C'est parti. Ok. Je sais pas comment on fait pour retirer la pause. Ah, voilà, comme ça. Comme ça. C'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où il devrait y avoir une personne qui se balade et qui fait du random comment on n'ouvre les paquets? Clic droit. Faut absolument que je mette le bingo dans. Bon, il va falloir clean un petit peu devant chez nous. C'est qui? C'est toi, Florence, là à côté? Oui, c'est moi. Faut clean parce qu'il va falloir faire une ferme pour justement planter les panais, tout ça. Ok. Donc n'hésitez pas à faire des trucs. On s'en fout que ce soit harmonieux ou pas, faut juste qu'on puisse planter des panais, quoi. Tu games pour l'harmonie? Bah, en vrai, ouais, non ouais. Attends, mais pourquoi je suis en ZQSD? Qu'est-ce qui se passe là? Faut que j'en trouve. Ah, c'est vrai, il y a de la faux, oui, voilà. Ouais, utilisez plutôt la faux, sinon ça abîme les autres trucs. Ah, et utilisez vraiment les trucs qui sont faits pour ça. La faux, pourquoi? Pour les petites herbes? Ouais, exactement, la faux, c'est pour l'herbe. Ok. Un peu de weed! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incompréhensible que j'ai pas joué plus à ce jeu que ça, alors que. Et toi, ça te plairait de fou? Mais oui, mais je sais que ça me plairait de fou. C'est sûr. Hein. Mais en vrai, c'est trop bien, Stardew Valley, mais c'est vrai que. Il faut que je continue mon aventure avec Funky Joe, quoi. On a 15 panés chacun, on va peut-être les réunir dans un coffre, je pense. Je pense qu'on va surtout les planter, en vrai. On peut les planter ensemble, on les met. Faut qu'on se mette au même endroit pour que ça aille plus vite pour l'arrosage. Bah, on va les mettre là vers le lac. Le lac est à peu près. Qui est tout à droite, à côté de ma maison. À droite, ok. C'est qui là, à côté de moi? Là, moi, je suis le petit vieux, là. Moi je suis là, c'est moi. C'est toi Fred, ok. Faut qu'on coupe des arbres pour pouvoir faire la ferme, non? On aura besoin d'un petit peu de bois, mais c'est pas la priorité, je pense. Là, le but, c'est vraiment de juste faire un espace vide pour pouvoir planter des panais, quoi. Voilà, donc je vais commencer à planter ça, hop. Est-ce que je vais me faire spoil tout le jeu? Bah peut-être un peu, hein. Je pense pas, en non vrai, non, non. Ouais, c'est ce que je me dis. Parce que moi, je fais vraiment une vraie aventure sur le jeu. Du coup, ça serait chiant si je te spoil. Attends, c'est la houe qu'il faut faire. J'avoue. Ouais, donc, ouais. Attends, Antoine... Pardon, je vais de l'autre côté, pardon. Non, mais sinon, on prend chacun une ligne. Alors, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un monde où on devrait... Non, je sais pas si on aura le temps de setup les arroseurs automatiques, mais c'est bien. Non, on n'aura pas le temps. Je pense pas qu'on aura le temps, mais par contre, faut pas hésiter à regarder la météo, parce que ça indique parfois quand est-ce qu'il pleut. Oui, et quand il pleut, faut faire tout sauf... Arroser, ouais. On va faire la pêche, je pense. Parce que la pêche, il y a aussi des très bons poissons, il y a la mine à faire aussi pendant ce temps-là. Moi, je pense que je vais beaucoup pêcher, en vrai. C'est bon, j'ai planté tous mes panais. N'hésitez pas à planter vos panais, je vais aller arroser aussi. Les panais. C'est quoi les fibres? C'est un petit paquet jaune avec des... Là, ce que porte JDG au-dessus de sa tête, là. Tu le sélectionnes et après, tu passes sur les cases. Mais et je crois pas avoir ça dans mon inventaire. Alors, t'as pas dû le prendre dans ta maison, t'as un cadeau au centre de ta maison. Ah, c'était ça. Attends. T'as forcément un truc, c'est clic droit pour prendre le paquet. Comment je peux rentrer dans la maison? Clic droit. Enlève tes items, peut-être. Sélectionne rien. Pourquoi peut pas rentrer? Est-ce que c'est ta maison? Oui, c'est bon. Si, c'est bon. C'est bon, t'as ton paquet? On a planté combien de panais là? Ça fait 15 x 4, ça fait pas assez, hein. Il faut en acheter plus. Non, il en faudra l'argent, plus. Il faut bien l'utiliser. Ouais. Donc, c'est quoi le mieux pour faire de l'argent?
La pêche, vendre des trucs, la pêche. La pêche au début, c'est moi, je vais aller pêcher. Je vais aller pêcher 100%. Moi aussi, j'ai envie d'aller pêcher. Moi, je vais aller dans la mine directe. Ah non, est-ce que je vais game direct ? Il y a aussi le gaming. Ça, je le fais très bien. T'es sûr qu'il y a ça dans le bingo ? J'ai pas fait gaffe. Ouais, il y a le roi du désert. Est-ce que vous pensez qu'il y a pas le bingo coupe 2000 bois ou un truc comme ça ? Ouais, c'est possible. Mais on peut avoir. Il doit y avoir un truc avec la thune, je pense. Il nous faut 40 panais pour avoir 100 balles. Enfin, pour avoir, pardon, pas 100 balles, pour avoir 100 panais à cultiver. En fait, la mine, c'est vrai qu'elle est pas dispo tout de suite, donc il va falloir pas mal passer les jours. Et ça, c'est quoi déjà ? Je me souviens plus. Est-ce qu'on investit dans les panais c'est, instant ? C'est pas le poulailler, ça ? Merde, j'ai le jeu en anglais. Attends. Les gars, ce qu'il y a à côté de la maison, c'est pas le... Ah, c'est la serre ? C'est la serre, mais on l'aura peut-être pas... Enfin, on verra. C'est bien je suis fatigué, j'arrive plus à courir. Comment on arrive ? Merde, il faut que tu manges. En fait, on va éviter de trop couper les arbres, casser les rochers, parce que ça consomme énormément d'énergie. Bah, okay. Je vois ça. Du coup, là, ce qu'on pourrait faire, parce qu'il faut trouver un truc sympa. Donc, ouais, il faudrait que Antoine aille pêcher, c'est pas mal. Je pense qu'on va tous pêcher un peu au début. Vous pensez pas qu'on pourrait rejoindre la firme d'enculés capitalistes ? Là, ça nous donnerait des avantages, non ? Bah, en fait, c'est un peu un gamble. Faudrait que peut-être l'un d'entre nous le fasse et les autres le fassent pas, tu vois. C'est un peu compliqué. Moi, je connais pas du tout la run, Jojar, pour le coup. Je sais pas. J'ai jamais fait non plus. Je pense qu'il vaut mieux éviter. On peut vendre les coquillages. Ouais, j'en ai chopé un. Si jamais vous ne savez pas, dans le sol, des fois, vous avez des petits vers qui bougent. De quoi, Florence ? Je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait moi j'ai joué au jeu il y a joué 10 heures quoi. Qu'est-ce que pourrait faire Florence au Nutrem ? Elle peut, alors elle, pour l'instant elle peut pas pêcher parce qu'en fait la canne à pêche c'est demain, je dis pas de bêtises. Ce que tu peux faire, tu peux aller essayer d'aller récolter des trucs partout sur la map. En fait t'as plein d'objets sur le sol, des fleurs, des fruits. Là, que tu peux ramasser. C'est bon de décaler ma cam. Je suis au village maintenant, non ? Je vais manger en quittant le village. Donc en fait tu pars à droite alors je sais pas trop si on a. Et aussi, et je sais pas si vous vous rappelez, il y a aussi parfois des petits serpents qui sortent de la terre. Faut les farm, oui. Ces trucs là. Ça donne des objets. Avec votre ou. Ça c'est le community center, je me souviens plus. Ouais, alors t'as le community center qui est au nord de la ville. C'est ça. Je suis épuisé et je vais trop lentement. Comment je peux manger dès le début ou il faut. Alors, on a très peu ou... de nourriture au début, mais par contre, tu peux. Il y a la pêche, c'est vrai, il y a des fruits, mais là, il n'y en a pas. Est-ce qu'il faudrait qu'on dorme en fait hein. Si jamais au début, de toute façon, il faut qu'on skip la première journée, je pense qu'elle est un peu inutile. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il va falloir retourner dormir. J'ai récolté des trucs, j'ai trouvé des trucs par-ci. Attends, je récupère juste des trucs là. Attends, deux secondes, j'ai chopé des trucs là. Hop là. Je vais commencer à parler aux gens aussi. Parler aux gens, c'est bien parce que ça va faire monter les cœurs. Ah ouais. Vous croisez des gens, parlez-leur. C'est tellement pas un jeu propice à speedrun. Non, si, c'est clair. Ouais. Après, il y a des gens qui speedrun dans 2h45, le jeu. Ouais, mais bon, ils le connaissent par cœur, quoi. Ah, heureusement. 2h45, c'est un long speedrun, quand même. 2h45. Tu vas pas te coucher, Nutram ? Je te vois, tu montes au nord de la map, là. En fait, je récupère énormément de fibres, parce que ça pourra nous servir aussi. Voilà, c'est tellement long. Attends, on va juste regarder ça. On va pas oublier, ça sera bientôt l'anniversaire de Lewis, bien sûr. Oui, on peut essayer de... Je pense qu'il y a un truc avec les cadeaux, sûrement. Ouais, les cadeaux d'anniversaire. Et je me demande s'il n'y a pas un truc dans le bingo, genre rentrer à la maison après minuit ou un truc comme ça, tu vois, aussi. Ouais, ou tout s'endormir dehors ou un truc comme ça, je... Après, ça coûte cher, quoi. Ça coûte 1000 balles par personne, c'est cher. Ouais. On peut dormir dans le lit des gens ? Oui, tu peux dormir dans n'importe quel lit. Je dis pas de bêtises. C'est Antoine qui a la plus grande maison, bien sûr. Bien sûr. Dans la vraie vie. Évidemment. Mais vous voulez dormir, oui. Ce paquet appartient à quelqu'un d'autre. Qui n'a pas ouvert son gros paquet là hein. Bon. Bah, je sais pas. Mon gros paquet, ouais, il est toujours là. Toujours ouvert. Putain, mais il a respawn le paquet, c'est bizarre. Bon, je dors. Yes. Celle-ci, je suis pas sûr. Manque une personne qui ne dort pas. Demain, on va tous chercher une canne à pêche chez Willy. Ok. Je pense que c'est important la canne à pêche. Qui arrose ? Faudrait qu'on arrose tous parce que. Ouais, ah oui, qu'on arrose tous. Faut qu'on arrose tous, sinon ça nous pompe notre énergie. Ah, mais c'est pas mon paquet ça. Mais c'est bizarre, pourquoi il y a un paquet dans la maison tout à gauche ? Ah oui ! Oh la cinématique. Pourquoi j'ai une cinématique ? On arrose tous, ah, on arrose tous. J'ai une lettre. Ok. Bon, on a tous une lettre. Et c'est quoi la première lettre ? Je sais plus. J'ai appris la fournaise apparemment. Y'a que Florence et moi qui arrosons là, du coup notre énergie elle est en train d'être pompée là, messieurs ouais, dames. J'arrive. Mais j'ai une cinématique. Hop, je sais pas pourquoi vous l'avez pas eu ? Non. Non. Ah ouais, okay, je suis déjà en avance. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai dormi avec JDG, effectivement, c'est bon. Ok, là maintenant on va aller chercher une canne à pêche. Moi j'ai eu un mec de Willy qui parle d'aller chercher la canne à pêche. Dis-nous c'est quoi le mieux là, vas-y on... La pêche pour le tout début. La pêche, on va tous pêcher là. Ouais, on va tout en bas de la map, donc Florence... Attends, j'attends Florence parce que sinon elle va pas connaître le chemin. On va l'accompagner, ça sera peut-être mieux. Je crois que... Non, chez Willy je me souviens plus. C'est tout en bas, c'est à la plage.
Ah, c'est le petit cabanon de pêche, non ? Oui, c'est au bord de l'eau, c'est sur un ponton. Ah, c'est parce que j'ai ramassé du cuivre. Ok, bah, j'ai eu de la chance. Hein. Mais du coup, on peut tous l'avoir, je suppose, hein, du coup. Hein. Je suppose que oui. Mais par contre, non, un truc qui est chiant, c'est que l'argent, je crois, en haut à droite, est partagé entre nous tous, en vrai. C'est partagé, donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur ce qu'on achète. Ok, on peut skipper les cinématiques, normalement. J'ai eu ma canne à pêche. Ouais, je skip la cinématique aussi. Hop. J'ai ma canne à pêche. Votre inventaire, il se remplit très très vite, hein, donc il va falloir vendre des trucs, déposer des choses. Ah oui, putain. Ah, je suis con, j'aurais dû vendre les trucs que j'avais. En fait, Willy, alors, pour ça, on peut vendre à Willy directement que les poissons et les coquillages. Si vous on avez des poissons et des coquillages, Willy ici, les achète. Genre, pour se débarrasser de nos outils. Tu peux faire un coffre. Oui, c'est comme ça que ça joue. Oui, mais moi je sais pas faire de coffre. Je vais. Il faut que tu appuies sur E et dans crafting. C'est le petit marteau en haut. Oui. Tu vois, il faut 50 de bois. Oh la vache. Je vais organiser un peu la ferme, je vais faire quelques coffres et tout, faire peut-être un fourneau si possible pour essayer de préparer. Si tu veux pêcher, Florence, tu peux. Hein. Bah non, mais en fait j'ai les poches pleines là. Ah oui. Je crois que je suis full là. Viens avec moi, on va déjà vendre les trucs inutiles. Alors, vous pourrez pas tout vendre chez Pierre, par contre, il y a la boîte. Non, mais on met dans la boîte. Le village, ouais, il y a la boîte du village, effectivement. On met tout dans la boîte. Il y a certains trucs qu'on voudra peut-être garder, je pense. Oui, non, bien sûr, évidemment. Il me faut plus de bois, là, c'est... Qu'est-ce que je peux jeter, genre, qui sert tout ce qui est détritus, tout ce qui est plantes, pour l'instant... bois, je peux jeter. Mais en vrai, vends. Ouais, mets tout en vente. D'accord. Pour vendre, c'est à côté de ma maison au début, t'as un gros coffre, et c'est là-dedans que tu vends. Ça commence à me revenir la boîte à compost, effectivement. Voilà, tu vends là-dedans. Le bois, peut-être qu'on doit le garder, peut-être non. Le bois, on le garde. En fait, tout ce qui est bois, pierre, ça, on garde par contre, c'est super important. Bois, pierre, argile, ça t'intéresse ? Argile, ça vaut de l'argent. Donc on peut le vendre, mais ça servira pour certains trucs. Pour certaines améliorations. Donc en vrai, l'argile, on peut le garder aussi. Vas-y. T'as combien de bois au Nutrem ? J'en ai 55, je vais pouvoir faire un coffre. Vas-y, fais le coffre. Ouais, faudrait vraiment faire un coffre. Ouais, c'est important de faire le coffre là, sinon ça va être l'enfer. Est-ce que j'ai de la place pour poser le coffre ? Vendez pas le bois, pitié. Mais non, mais on vend pas le bois. C'est bon, il a fait un coffre. Oh putain, Oni était trop rapide. Il a fait le coffre. Par contre, quand quelqu'un le check, on peut pas check en même temps que lui. Ah ouais, ouais. Ok. Donc il faudrait plusieurs coffres, ça serait pas mal. Hop là. Oui, dans tous les cas, oui. Ok, c'est alors, bon. Faut savoir, on peut pas pêcher dans notre ferme. Hein. Ça, je sais. Poisson que des détritus. Je précise au cas où. Ouais. Oui, oui. No, Florence, je te conseille du coup de mettre dans le coffre ici les trucs qui te manquent. Tu sais quoi, je vais optimiser un peu la ferme moi pendant ce temps-là. Je vais faire d'autres coffres. Je vais tout le monde. Bon, bonjour madame. Ah oui, quelqu'un peut essayer de draguer tout le village. Ouais, quelqu'un peut s'occuper de ça. Vas-y, je vais optimiser un petit peu. Je fais tout, vas-y, hop. Moi je vais aller à la plage et je vais pêcher, vendre, essayer de ramasser de l'argent. Les vieilles, les femmes, les enfants, je fais tout. Alors, il y a les quêtes aussi. Je sais pas si on a les mêmes quêtes. Quand vous appuyez sur F, est-ce que vous avez, genre par exemple, forger ? Non. Ok, les quêtes sont individuelles, d'accord. Donc, intéressant. Intéressant. Mais ouais, les quêtes, ça rapporte de l'argent. Et si vous voyez des bulles dans l'eau, c'est pas mal de... Ouais, tu pêches plus vite. Enchaîner les poissons. Ah oui, ok. Oh, moi, je suis vraiment... Mais j'ai pas eu toutes les connaissances. Vas-y, donc... Mais moi non plus, Florence. Hein. Le bois, la pierre, le charbon et les mélanges de graines, on balance. Mélange de graines, tu peux vendre. Sève, charbon... Sève, c'est bien pour faire de l'engrais. Donc en vrai, garde la sève quand même. Charbon, on en aura besoin, c'est très important, le charbon. Charbon, c'est genre ultra important. Ok, moi j'ai un truc de charbon, donc c'est pas dingue. Mais mets-le dans le coffre, ça servira vraiment. Ouais, mets dans le coffre. C'est incroyable. Hein. Oui, le charbon, tu permettras de faire des recettes, des trucs comme ça. Ouais, en fait, ça permettra de faire tout ce qui est lingot. Non, mais aussi, ça sert aussi à faire... Ah non, pas besoin, putain. Le vrai truc, le vrai play, c'est d'avoir une poule et de faire de la mayonnaise. Ça, c'est incroyable. Ça fait beaucoup d'argent. Et alors, je l'ai fait il y a pas longtemps, ça coûte 5000 PO, je crois. 5000 PO plus avec les œufs. 400 bois. Ça coûte assez cher, c'est chaud. De toute façon, y'a pas une quête avec le poulailler, là ? Si, si. Plus tard. J'ai fait un deuxième coffre, si jamais. Bien joué. Moi, je vais en faire un troisième, là, justement. Nice. Bien, ouais. Je vais pêcher. Pareil. C'est qui, ça ? Ça, c'est moi. C'est sur eux. Hop. It's me. On est habillé pareil. Hein. Mais attends, on devrait pas pêcher dans une rivière, plutôt, vu qu'on est censé faire le truc d'eau douce ? En fait, les poissons d'eau douce, ça viendra plus tard, c'est pas très important. C'est que là, en fait, on est à côté de Willy et on va pouvoir vendre jusqu'à 16h. En direct. On n'a pas besoin de déposer ça à la maison. Comment je... Quand il y a le point de... Tu t'en sors, Florence ? Non, j'ai fait mon coffre, mais en fait, mon inventaire est plein et je sais pas comment faire pour me débarrasser de ce que j'ai... Mets dans le coffre, tout simplement. Dans un coffre à côté. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé une solution. Là, putain. T'inquiète.
Je finirai cette phase demain. T'inquiète, t'inquiète. Mais je crois que toi, je l'aurais mis plutôt à côté des autres en vrai. Bon, après ça change rien, t'as raison. Est-ce que ça va pas être chiant pour le faire passer? Non, c'est pas grave, t'inquiète, t'inquiète, c'est cool. C'est ok. Bon, on a trois coffres déjà, ce qui est pas mal. Normalement, t'entends un son, j'ai dit ça fait genre un peu un corbeau ou je sais pas quoi. Ah. Les graines de carottes, on devrait pas les planter? Si, plante-les. Plante-les et arrose-les. Je sais pas si ça a intérêt de les séparer, de dépanner. Ça changera rien. En vrai, ça, on s'en fout. Décaté. Tiens, mais moi, tu sais que, vu que j'ai peu de connaissances sur ce jeu, même quand je joue tout seul, je trouve le jeu un poil stressant. Parce que le temps passe très très vite, je trouve, dans les journées. Ah, ça m'arrive souvent, normalement, de me mettre dans un coffre et d'attendre. Et de réfléchir à ce que je vais faire, parce qu'en vrai, le jeu est compliqué. Pour moi, c'est compliqué. C'est un jeu à faire hors stream, en fait. J'avais énormément joué à une époque. Ouais, je trouve que c'est un très bon jeu hors stream. Oui, oui, c'est très cool hors stream, mais en stream aussi, en vrai, c'est cool. Hein. Non, moi, j'aime bien en stream. En stream aussi, c'est bien, mais tu sais, quand t'es hors stream, tu t'en fous, les journées passent, t'as tout le temps de perdre du temps à faire des allers-retours, en fait. Oui. C'est vrai, t'aurais pu l'appeler la ferme des célébrités ce soir, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Bah, on l'avait appelé comme ça la première fois, mais bon. Je sais plus quel poisson il nous faut, c'est que les poissons de rivière hein, pour le centre commun, on est d'accord. Hein. En tout cas, là, je suis en train de pêcher dans une rivière, là. Ok, donc toi, tes poissons, alors je sais plus, est-ce que le chat, vous pouvez nous backseat, hein, vous pouvez nous dire les poissons qu'il faut pour... Ouais, mais le problème, c'est que comme un connard, j'ai mis le jeu en anglais, et du coup, je me souviens plus des noms en français, quoi. Après, moi, s'ils me les disent, je peux le savoir. Là, j'ai chopé un sunfish, par exemple. Le sunfish, ah, du coup, j'ai pas la traduction en anglais non plus. C'est un poisson soleil. Ouais. De rien. Et je crois que c'est pas traduit comme ça, ou alors c'est le poisson lune en français, non? C'est une très mauvaise traduction. Franchement, c'est... Oui, c'est vrai que ça serait pas une bonne traduction. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein. Mais j'ai un doute, mais je crois. Ah, le sunfish, c'est le poisson lune. Hein. Et ben voilà, c'est bien ce que j'ai dit. Je peux pas pêcher ici, y'a rien. Où ça? Bah, je sais pas, je suis au sud du village, y'a une rivière. Si, mais parfois c'est long de pêcher dedans. J'ai plus d'énergie par contre, moi. C'est quoi? J'ai un truc, je peux te donner à manger. Non, je vais faire un truc, je vais fouiller une poubelle et me faire griller par un. Voilà, hop là. Ah, j'avoue, les poubelles, je suis sûr. J'ai fouillé une poubelle, comme ça je me suis fait griller par un connard. Il m'a fait, oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est pour le bingo, ça, 100%. 100%, 100%, t'as raison. Alors, des fois, vous allez ramasser des trucs qui aura écrit quand vous passez la souris dessus. Gunter peut vous en dire plus. Ça, il faut absolument lui donner parce qu'on a. Ouais, Florence, là, faut que t'attendes du coup. Il faut que tu restes sur le poisson, globalement. Non, mais je me souviens. C'est à quel moment que t'es tout lent quand tu. C'est quand t'as plus d'énergie du tout, hein. Ouais, je suis à 1%, j'arrête. La mine, c'est jour 5, hein. Ouais, du coup, je pense que j'irai jour 5 à la mine. Directo. Si on veut les sampaner aussi, faudra pas trop tarder non plus à quand même investir parce qu'on pourra les planter qu'au printemps. Ouais. Oh putain, pourquoi je suis passé par là? Je suis un connard. Je peux encore pêcher encore une. Pourquoi j'aime autant pêcher dans les jeux, je ne sais pas. Mais alors, pêche, par contre, je trouve que la pêche dans Stardew Valley est excellente, hein, pour le coup. Ouais, elle est bien. Très, 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 très bien, je trouve. Tu sais, on commençait avec Zelda 64. En vrai, la pêche dans Zelda 64, elle était cool. Hein. Bah, bien sûr. Moi, j'aimais bien. Enfin, dans Ocarina of Time. On va avoir des jeux, tu sais, de pro de pêche, tu sais, t'avais un truc. Ah, bien sûr, Fishing Simulator. Ouais, Méduse. T'as dit quoi, Antoine? Fishing Simulator. Ouais, j'ai envie d'essayer ce genre de jeu. Je suis sûr Mintos il a streamé. Mais je pense que... Oui, c'est sûr. Mais je pense que étonnamment, c'est un peu moins bien... Alors vraiment, le play, c'est aussi acheter de la bière et de la filet à Pam, quoi. Ça, oui. C'est vraiment le play ultime. Ah, ça, elle kiffe, hein. Ah, mais c'est une poche trône. Et surtout, putain. On sait toujours où elle est, hein. Elle est toujours rendue au bar. Donc, elle est au bar ou dans sa caravane. Voilà. Oui, mais il y avait un petit point d'exclamation, c'était pas vous? C'est la nuit, est-ce qu'on irait pas dormir tous? Ouais, moi je vais aller me coucher. Je rentre au village. Déposer dans les coffres en dodo. Je mange une sardine crue. FF15, meilleure pêche, vous êtes plusieurs à dire ça. La pêche dans FF15, elle est géniale. Ah ouais? Je sais pas. Pour vos arbres. Je vends mon poisson, hein. Je vends tout. Les poissons, est-ce qu'il faut les cuire avant de les vendre? Non, 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 tu les vends. T'as qui la caravane, ça met, pour les vendre, on met tout dans le. Dans le coffre à côté de la maison au début. Non, mais 20h10, faut aller se coucher, c'est pas une vie quand même. Au nul trem. Notre énergie remonte quand on dort, même quand tout le monde n'est pas là. Oui. Ouais, ah bon très lentement hein, par contre. Oh ouais. Non, putain, je suis coincé. Est-ce que j'ai une méduse, est-ce que je la vends? Oui. Enfin, sauf s'il y a écrit que ça peut intéresser le gars du musée dans la description de l'objet. D'accord, parce que là, c'est écrit Gunter, on peut vous en dire plus. Un en pêche, en vrai, j'ai un peu envie de la garder. De quoi donc? La méduse, je vais la garder et je vais la manger. La méduse, ouais, ça se mange parce que ouais, ça donne de l'énergie, c'est bien.
Je vais au chaud derrière toi. Là, je suis une c'est bon, j'arrive. Là. Vas-y. Pam, c'est pas... ah, on me dit que Pam, c'est pas possible, 10 cœurs. Ah bon? Ah ouais? Ah, parce que 10 cœurs, ah oui, c'est limité à 8 par défaut, c'est ça? Et 10, alors, c'est 8, je crois que c'est 8 pour devenir meilleur ami et 10 pour la relation amoureuse, c'est ça? Ah, et dans ce cas-là... Ah, on me dit que si, on me dit que si. Non, c'est 8. Ah d'accord. Bon, bon bah, bah merde. Dans ce cas-là, on va se trouver quelqu'un d'autre. Mettez-vous la d'accord. La plus facile ou le plus facile. On a fait 718 balles aujourd'hui, ce qui est pas mal. Hein. C'est pas déconnant. Est-ce que quelqu'un s'occupe des panés? Mais il faut qu'on soit plusieurs, sinon ça prend l'énergie d'une seule personne et c'est chiant. Oui, go. Ah, il pleut, non, on a pas besoin, il pleut. On a pas besoin, trop bien, il pleut. Oh non! Oh non, il y a des corbeaux qui bouffent nos panais! Faut mettre un épouvantail. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Comment je peux pas fabriquer l'épouvantail encore? Non, c'est pour plus tard ça. Mais je pense que les premières journées, il va falloir qu'on dorme vite en fait, on va pas faire grand chose. Ah, il pleut! Attends, il y a des poissons de rivière intéressants, je pense. Ok. Comme il pleut. Bon, venez, on va tous pêcher et farm du fric là. Ouais, vu qu'il pleut, c'est bien ça. Bon, ça te va? Oui, ça, non, ça me va. Le scénario mais du jeu, c'est genre, putain, tu peux aller dans la même direction trop... que vous. Ta vie qui est trop stressante. Et du coup, c'est encore plus stressant. Je vais aller sur la plage pour voir s'il n'y a pas des trucs à choper. La plage, non, j'ai c'est pas mal. Parce que dans l'espèce de lac, là, il n'y a pas les mêmes poissons, je pense, non? Non, c'est pas les mêmes choses, non. Exactement, c'est pas les mêmes. Le lac en bas, le lac, la rivière, il y a aussi la montagne qui est tout en haut, mais c'est pas les mêmes poissons non plus. Et la mer. Voilà, on me répète que c'est pas possible pour les dupeurs, effectivement. Ouais, alors c'est la bière avec Shane, alors. Shane et la bière. Et les pizzas aussi, je crois. Hein. Ouais, il aime les pizzas aussi, apparemment. Ouais, ouais. En enfin, fait, c'est il les trucs plus faciles. C'est junk un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est facile, hein, parce que c'est juste les pierres précieuses qu'il faut choper, ils en prennent plein dans la mine. Ah ouais? Tu lui jettes des cailloux au visage, là, et puis... Et puis même... Ouais, tu lui jettes que des pierres précieuses. Mais on pourrait faire ça, parce mais non, mais en vrai, faudrait qu'on s'en choisisse un et qu'on le farme, parce qu'il faudrait quelqu'un pour pouvoir avoir la danse des fleurs avec quelqu'un, en fait. Ah ouais, ça, c'est dur, la danse des fleurs. On va essayer. Oh là, j'ai trouvé un coffre dans l'eau, c'est incroyable. Oh là là, c'est une sardine. Moi, j'avais peur qu'il y ait que des détritus là où je suis. Ah, c'est possible que tu sois dans un spot à détritus. Le poisson de cul. Pam, 10 cœurs possible, on me dit. Ah non. Shane, bière, pizza. Non, mais bière, pizza, c'est, ça va, c'est pas trop compliqué. On pourra planter du houblon. Ouais, le poisson est trop dur, j'abandonne. Oui, mais c'est hyper cher, les bières. C'est 400 balles, mais on peut les planter nous-mêmes. Mais il faut absolument qu'on ait des sacs à dos, non? Parce que là, c'est un sup. En fait, il va falloir que t'ailles acheter ça chez Pierre, je crois. Je crois que c'est Pierre, le nom du gonze. Ouais, exactement. Mais par contre, le problème... On se mettre d'accord parce que l'économie, c'est ça. Exactement. C'est pour ça que là, il faut pêcher pour faire le plus de fric possible. Ouais, mais... J'ai que des poissons si... durs. Si je fais deux poissons par deux poissons, ça va être long, quoi. Pas grave, c'est le début. Moi, je pense qu'on va avoir un objectif, ça va être se focaliser sur le poulailler. Parce que le poulailler, c'est une case du bingo, plus ça rapporte énormément. Ouais, la mayonnaise, là, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment la prio, si je dois mettre une prio, c'est ça. Sac à dos, en vrai, c'est assez prio, je trouve aussi, hein. Après, si on l'achète, ouais, c'est chacun doit l'acheter. Le problème, c'est qu'on a argent en commun. Ça chope que les sardines, quoi. Qu'est-ce qu'on est serré. Au fond de cette boîte. J'ai mis avant mes outils dans le coffre pour pas que je sois encombré de fou. Ok. C'est pas bête. Donc, ne repartez pas avec deux arrosoirs. Non. Là, il est facile à avoir vu qu'elle aime les morceaux de bois. Mais non. Qui aime les morceaux de bois? Léa, apparemment. Léa, elle aime les morceaux de bois qui est en bas de notre ferme. Apparemment, j'aime dis ça. Le bois, genre tu t'arrives, tu donnes des bûches et compagnie. Oh là, il est chiant lui. Oh non. Non, j'ai raté. Oh putain, c'est trop dur. Vu qu'on a la canne à pêche de merde là. Elle aime le bois flotté. Ah, le bois flotté, donc c'est des ouais. Trucs qu'on pêche de temps en temps dans la rivière, ok. Attends, vraiment le bois flotté, ça me fume, ok, incroyable. Donc bois flotté pour Léa. Mange. Comment on mange? Tu mange. Clique droit quand t'as l'objet dans la main. Clique droit. Let's go, je mangeais une méduse comme ça là. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Ouais. Hop, je mange une deuxième. Putain, il est gourmand en plus. Hein. Il est goulu. Énergie. Il est goulu. Méduse crue là. Il y a plein de poissons différents, donc c'est pas mal pour le truc de communauté là, le musée aussi. Alors, ouais, effectivement. Mais dans ce cas-là, il faut pas les vendre, alors faut les donner. Faut que t'ailles voir ce que veut le centre de communauté. Mais au départ, tout n'est pas disponible dans le centre communautaire. Exactement. En fait. Il faut remplir à chaque fois une tâche pour pouvoir débloquer le reste. Exactement.
Mais on le verra. De toute façon, je crois que c'est toujours le centre commun. La commu. Je me dis, il y a peut-être des poissons rares qui vont être mieux gardés pour le centre de communauté. Pourquoi c'est fermé? Pas, pas fermé le truc qui est fermé. Ferme à 16h. Non, c'est pas ça, mais c'est. Quasiment. C'est pas 16h. Oh. Je vais aller voir Léa, je vais lui donner du bois flotté, je vais la régaler. Vas-y. C'est le centre 100% commu, messieurs, dames. J'ai des équipages des journaux. Trop stylé. Le journalope, là. Il a pêché son merdia. Oh merde. En train de pêcher les merdias. Mais je peux pas rentrer chez elle, il peut aller chez elle et on n'est pas assez proche. Oh non, ouvre la porte! Ah oui, vous avez raison. Dommage. Moi, je oui, alors un truc. Je te vois dans l'œil. Alors un truc important à savoir juste. Quand vous appuyez sur E et quand. Ah non, mais il y a pas encore le truc du centre communautaire. On l'a pas. Putain, il y a non, pas le logo encore. En fait, c'est pour ça que je voulais demander au chat, c'était les jours combien. Ah, on l'a pas encore. C'est pour ça qu'il y a pas encore le, y a pas encore l'icône. Je sais pas, moi, il parle pas trop de ça. Il parle de Joja, mais. C'est combien le bois ici? 300. Il me faudrait. Ok. Je vais aussi faire 3. Je vais prendre 300. Je vais couper 300 bois pour réparer le pont à côté de la plage aussi. C'est important. C'est je pas pense. Très war, sans vrai. Après, ça peut donner des coquillages, mais vaut mieux garder le bois pour construire le poulailler. Ok, bon. Ouais, vraiment pour le poulailler. Ok. Vous pouvez nous dire aussi ça coûte le poulailler. S'il vous plaît, exactement le poulailler, combien ça coûte, parce qu'on va le focus. Le poulailler, c'est où? C'est en bas à gauche pour le faire ou c'est en haut à droite? Non, c'est en haut à droite, c'est comment? Chez Robin, dans tous les cas. C'est Robin en haut à droite, non? En haut, dans la montagne, ouais. C'est sa grande maison à la montagne, on y va une fois et ça coûte assez cher. C'est avec Démétrius qu'elle habite, c'est ça? Exactement. Ok, c'est ça. 4000 PO, 300 de bois et 100 de pierre. Ok, 300 de bois, ça fait. Moi, je remets du bois aussi. De quoi, Florence? Quelqu'un dans le chat a dit de la merde, la pêche, j'ai pas peur des mots. Quoi, what the fuck, c'est grotesque. Les premiers jours, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Ah non, mais moi, je trouve que c'est grotesque, la pêche. Révolte, hein, c'est grotesque. Hein. Ah, mais. On peut changer les items On peut les poser par terre. Non, ou mais les... ça sert à rien que je fasse ça, là, je suis bête, faut que j'aille. Il faudrait aussi qu'on aille se droguer chez le sorcier aussi, je pense, pour le bingo. Oui, il va falloir qu'on aille, qu'on aille fumer le calumet. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on aille fumer un peu de weed là. Alors attends, upgrade-vous, house. Tu peux aller poser les bois flottés dans les coffres et on lui donnera une fois par jour. De toute façon, non, je crois que c'est limité à deux fois par semaine. Farm building. C'est la coop, c'est ça qu'il faut? La cargaison de bois flottés là devant Charles. C'est ça qu'il faut que je fasse, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Antoine, pardon? C'est la coop qu'il faut que je fasse, c'est ça. House for coop dwelling animals. Ouais, c'est ça. Il faut 300 de bois, 100 pierres et 4000 balles pour exactement la ferme. Donc l'argent va falloir la farmer, ça n'a pas le choix, mais je vais aller dans la mine pour en faire et beaucoup du coup, après. On fait pas la strat de Monsanto là, parce que... Bah en vrai, Fred, si tu veux, tu peux, mais je pense qu'il faut pas qu'on le fasse tous. Ouais, je comprends. La strat de Monsanto. Ouais. La strat de Monsanto. Hop, je range ça ici. Je pense qu'il faudrait qu'on aille dormir pas trop tard. Hein. Alors n'oubliez pas de vendre avant d'aller vous coucher aussi. On est obligé de vendre à Willy, c'est ça? Non, tu peux vendre dans le coffre, c'est pareil. Tu le mets, de toute façon, mais ça revient pareil si tu les mets. C'est exactement pareil si tu les vends dans le coffre ou au particulier directement. C'est juste décalé d'une journée, c'est tout. Ok. Ok, je suis épuisé de mon côté. Non, le faites pas, quoi. Qu'est-ce qui... Ah non, apparemment c'est commun le truc Monsanto. Ah merde. Ah. Ouais, je suis pas sûr qu'il faut faire ça. Peut-être qu'on peut le faire genre à la toute fin quand il reste 10 minutes de jeu, tu vois, un truc comme ça. Ouais, trop pas. Je suis en train de dormir. Ouais, mais si ça nique tout, imagine. Ouais, bon, je sais pas. Moi je vends tout ce que j'ai, comme ça va faire du fric. Et je vais en profiter aussi pour couper du bois et tout. Onu, t'es allé te coucher, tu veux pas qu'on coupe du bois vite fait là pour la ferme et tout? J'ai plus d'énergie, c'est pour ça. Ah ok, moi j'ai encore d'énergie. Mais ouais, en attendant que les autres arrivent, coupe du bois, hein, vas-y. Ouais. Fais-toi plaise. Mais ce qu'il nous faut, c'est absolument les 4000 d'or. Je pense qu'il faut... Oui. Comment ça? Bah essaye de ranger avec les trucs qui sont déjà dedans, sinon bah tu rajoutes quoi. Tous donc les poissons, peu importe les poissons, je mets tout dans le truc. Alors, je mets tout dans le coffre à droite. Il y en a certains qu'on doit garder pour le centre commun. Ouais, mais le problème, c'est qu'on sait pas encore lesquels c'est. Bah, c'est pour ça que j'aimerais. Bah, on peut. Soit le chat peut nous le dire, soit on attend le centre commun. Je pense qu'on va attendre le centre commun, en vrai. Pourquoi on a une caravane au milieu là? C'est la maison de qui la caravane? Bah, c'est moi, je suis c'est ça, le mec est en caravane quoi. En position Raphaël. Ouais, faut vraiment mettre le bois et la pierre en commun pour pouvoir acheter ouais, la ferme. On est en train de farmer, mec. Nous, on a plein d'énergie encore. Ouais, mais faut qu'on avance les jours, je pense que c'est plus important. Ouais, faut peut-être mieux aller récupérer. Okay. Ok, je finis de couper cet arbre et on va se coucher. Cet arbre aussi, on y va.
les premiers jours, on a vraiment tout qui est bloqué, donc en fait on est limité de fou, je trouve. Donc les premières journées, je pense qu'il faut vraiment les skipper. Mettez votre bois et tout dans les coffres. Allez, mettez tout dans les coffres. Oli, Fred. Fred, tu viens au lit avec moi, s'il te plaît. Tu l'as mis dans les coffres comme il fallait garder pour les trucs communautaires, non? Non, mais tout ce qui est bois et tout, tu peux mettre dans le coffre. Ouais, tout ce qui est bois, tu réunis. On n'avait pas dit. Ah, t'as rien vendu? Il faut qu'on fasse de l'argent surtout en fait. Hein. Faudrait que t'ailles vendre en vrai, Florence. Vite fait. Okay. Astuce, si tu fais shift clic gauche, ça met tout le stack d'un coup. Et ouais, là en vrai, si on farme pas quelqu'un, on aura personne pour la danse des fleurs, hein, si jamais. Ouais, bah Léa, elle était enfermée chez elle, il pleuvait. Ouais, mais Shane, on peut pas l'avoir avec de la bière et des pizzas? C'est cher les bières et les pizzas. Vous voulez pas qu'on dorme tous dans le même lit, histoire de voir si c'est dans le bingo, ça marche ou pas? Ça, apparemment. Dans la maison tout à droite, venez tous. J'arrive. Venez tous dans le même lit. Quelle maison on va? Celle tout à droite. La mienne, la plus grande tout à droite. Des gens qui pour Ailey? Elle va au saloon des fois, Léa. Oh, on est mignons, on est tous entassés là. Hop là. Cueillette. Moi j'ai gagné un niveau de cueillette. Moi j'ai gagné un niveau de pêche. Pareil, on a fait 1500 balles aujourd'hui. Pas mal, pas mal. Il faut qu'on économise 4000 pour acheter absolument ouais. Le poulailler. Et il faut garder un peu de marge parce que chaque poule coûte 800. Si vous trouvez un Jojac, si vous pêchez un Jojacola, donnez-le à Sam apparemment. Sam, il aime les pizzas aussi. Et là, faut arroser. Faut qu'on soit plusieurs à arroser, histoire qu'on soit pas tous niqués. Si vous avez pas assez d'eau, vous pouvez remplir dans le petit étang à droite. Oui. Avec clic gauche avec votre arrosoir. Il va falloir qu'on achète des panais aussi, parce qu'en fait, on en a pas assez. Hein. Ouais, il en faudra 100. Et je crois que quelqu'un a laissé sa boîte dans sa maison encore. Hein. Ah bon? Bah, prends-la et au pire... Mais je peux pas, il y a écrit que c'est à quelqu'un d'autre. Ah bah, moi, je l'ai prise, la mienne, c'est sûr. C'est la maison tout à gauche. C'est les panais, c'est ça? Ouais, ouais. C'est 15 panais, c'est 15 graines de panais. Je sais pas. Non, Fred, t'as planté des panais? Bah ouais, j'ai planté devant vous. C'est bizarre. C'est bon. Alors combien il y a de bois en tout et combien il y a de pierres? Ah mais c'est parce qu'il y a une maison en plus, je pense. Parce qu'on est 4 alors qu'il y a 5 maisons. Ok, va falloir mettre plus de bois, va falloir plus de bois là. J'en ai encore 16, hop. Bon, il en faut 400. Que je retourne pêcher, Osef? Là, je pense qu'on va couper du bois. Je pense qu'on va rush le poulailler, c'est trop fort le poulailler. D'accord. Il faut combien de bois pour le poulailler? 400. Il y a pas une gonze qui aime bien les fleurs? Si. Ils aiment un peu toutes les fleurs dans le jeu. Ah ouais? C'est laquelle qu'on farme? Une gonze qui aime pas une fleur. Hein. Mais Léa, tu lui donnes du bois flotté, c'est mieux de focus une personne, je pense. Léa, c'est, elle est rousse, de long, rousse. Mais c'est pas Penny. Mais en fait, faudrait que. Est-ce que l'expérience un peu relationnelle qu'on a, c'est partagé entre tout le monde ou c'est en fonction d'une personne? Bonne question. Peut-être qu'on peut tous donner la même chose. Je suis fan de la ferme, franchement, si elle a un besoin, elle les baisse tous. C'est Alec. Fred, voilà. Tu parles. C'est Alec qui aime les fleurs, apparemment. Alec, elle aime les jonquilles, apparemment. Les jonquilles, Alec, c'est la blonde. La blonde. Pour la danse des fleurs, c'est mieux Ellie, elle aime les jonquilles, il y en a plein. C'est vrai qu'il y en a plein à la fin, il y a le boost d'anniversaire aussi. Faut prendre en compte le boost d'anniversaire, ça augmente vite les cœurs. Ellie, c'est. Attends, je sais pas qui ressemble, je sais pas quoi. Elle est blonde et elle est habillée avec une robe bleue, on la voit. Et je la trouve où? Elle est souvent en haut dans le parc. Proche du centre communautaire dans le parc, très souvent là, ou à la plage en train de bronzer. Le matin aussi? Toute la journée, elle est là généralement. Elle va pas au bar. Ah, c'est Maru, non, Fred. Non, Maru, non. Non. J'ai plein de jonquilles. Et j'ai récupéré 84 de bois, c'est énorme. Ouais, j'en ai 55 du bois. Le bois, c'est bon, je pense, non? Ouais, et la pierre, c'est 100 seulement. Et pierre, c'est 100 pierres, c'est ça? Je crois que c'est 100 pierres. Je la trouve pas. J'ai 9 pierres sur moi. Normalement, je sais pas, il faut que. Je crois qu'il y a une cinématique. Oui, c'est verrouillé. On est rentré dans le centre communautaire déjà? Non, bah c'est. On peut pas tout de suite, au début, ça sert à rien. En fait, on a besoin d'une cinématique avec les junimaux. C'est 300 bois ou 400 bois la ferme, je sais plus. Errer dans le village pour rien. C'est quoi l'arbre qu'il y a au sud qui est tout rose et qui est vraiment isolé et qui a l'air vraiment important? Je sais pas. Non, t'inquiète pas, je pense que ça sert pas. Attends, c'est elle là? Penny. Non, c'est pas elle. Penny. Toute rousse. Love you, Penny. Il y a beaucoup de rose. I've always loved you. No matter what I do. Pour me régénérer l'énergie, je pense que c'est pas déconnant. You're gonna die, Charlie. J'ai des jets qui confond les femmes, bah ouais. Mais en même temps, au début c'est dur je trouve dans le jeu de... Moi je confonds tous les habitants et tout au début.
Bon, je vais mettre. T'enlèves pas les souches, Antoine ? Si, non, les grosses souches, on peut pas encore. Je viens de pas tout de suite. Et ça rapporte du bois dur dans tous les cas, ce qui nous intéresse pas pour le moment. Du coup, j'ai 78 de bois, je sais pas où est-ce que je le mets. Dans le coffre. Dans le coffre. Peu importe lequel ? Non, celui où il y a déjà le bois dedans. Il y a un truc où il y a 117. Ouais, voilà, c'est ça. Merde, je commence à être fatigué. 300 ? Quoi ? Non, mais je pense qu'on en a plus que ça en vrai. Qu'est-ce que tu racontes ? Bah, j'en ai vu 117 moi dans le coffre. Non, il y en a 312 ici, 401 là. Mais on mélange tout. Ah non, faudrait organiser là par contre. Attends, ouais, là c'est bon. Le problème c'est que ONU il était devant le coffre et comme il utilise le coffre, je peux pas le mettre au même endroit, tu vois. Moi je suis pas devant le coffre. Non, mais tout à l'heure. On a 518 de bois et 69 pierres. Trouvez ma blonde. Ok, très bien. Eh bien, je vais aller. C'est la blonde du coup. La blonde, ouais. C'est Ellie, hein. Ellie, exactement. Il nous faut plus de pierres. Et le poulailler, en plus, on pourrait l'avoir si on a la pierre avant 17h, c'est incroyable. J'ai changé les coffres de couleur. Voilà. On n'a pas. Ah non, mais on n'a pas l'argent dans tous les cas pour aujourd'hui. De toute façon, là, j'ai plus assez d'énergie pour miner. Ouais, je vais faire une sieste. Une sieste vite fait, là. Et je prends une jonquille et je vais aller l'offrir à Ellie. Je vais couper quelques arbres histoire de parce que j'ai trop d'énergie là. Eh, c'est stressant Stardew Valley, hein. Moi j'ai plus trop d'énergie par contre. Il faut que t'ailles faire une sieste, Florence. Ouais, faites des siestes, ça carry. Eh, c'est un jeu de chill là, vraiment. Moi c'est pas un jeu de chill, hein. Moi j'ai commencé mon jeu chatting en disant ah franchement c'est cool, c'est un jeu de chill et tout. Non. Ah, moi, je savais à quoi m'attendre, hein. À l'opposé du message du jeu, c'est trop bien. Ah oui, il faut parler à Marnie pour retrouver le slip du maire. Parce qu'en fait, le bail, c'est que le maire et Marnie ils baisent ensemble, en fait. Exactement. Ils baisent ensemble et en fait, il a oublié son slip chez elle. Super, le spoil. Désolé, bah oui, mais c'est dans le bingo. Va falloir qu'on aille... Spoil. Marnie, elle est en bas, la fermière. Il faut que j'aille dormir. Encore. N'oublie pas de mettre tes pierres. Oui. Ah, coffre violet, c'est pourquoi ? Oui, t'as fait rouge aussi. Okay. Rouge, c'est celui qu'on utilise principalement, là. Alors, petite astuce, si vous ne le savez pas, il y a un bouton qui permet de mettre tout d'un coup dans le coffre. En fait, ça stack exactement au bon endroit. C'est la flèche rouge à droite quand vous ouvrez le coffre. Et boum. Je reviens. T'en vas ? Je cours pour aller jeter un pissenlit à Suralé. Vas-y. Parme-la bien, mon gonze. Arrivé devant elle, je fais tout le monde prend ça là. Ah, mais après, je sais plus ce qu'il y a d'âme, là. Jeter le pissenlit au visage. En fait, faut être ami avec Marnie pour pouvoir récupérer le slip du maire. Qu'est-ce qu'elle aime, Marnie, déjà, le chat ? Marnie, elle aime les trucs un peu de la ferme. Déjà, ouais, je sais plus. Le quartz ? Non. Elle aime le quartz. À la mayonnaise, l'œuf, le lait. Ok, faut vraiment qu'on fasse la ferme pour Marnie. Absolument le poulailler. Oui, mais le problème, c'est que là, on n'a pas assez d'argent pour le poulailler, tu vois, par exemple. Il manque 1000. Ça peut se faire, hein. C'est là, on met plein de trucs qui nous servent pas, qui rapportent bien. Le quartz, le diamant, les diamants, les œufs. Il faut aller miner pour ça. Oui. Bah, la mine, c'est jour 5. On peut parler à tout le monde. C'est demain, la mine. Trop hâte de la mine. On a plein de pissenlits d'avance, faut penser que elle est, il faut la tous les jours. Bon, on te laisse faire ça, JDej. Ouais, je prendrai toujours un pissenlit avec moi. Alors. T'es un peu toi le séducteur de la bande, mec. C'est toi, mec. C'est bien, vrai. Mais alors. Je suppose, hein. Attends, vous avez sacrément ratiboisé ici, hein. Ah bah oui, il faut, hein. Ah bah on ne s'arrête pas. On s'arrête pas de ratiboiser, là. Donc prioriser le coffre rouge de préférence. On a 127 pierres, donc je crois que c'est bon au niveau des ressources, faut juste de l'argent. L'argent. Il faut juste de l'argent. Et l'argent du beurre. Du coup l'argent, ouais, c'est un peu de la pêche. Hop, ça c'est pas mal. Va falloir se faire péter la géode bientôt. Il y a un truc sexuel. Ouais, oui, tout à fait. Clair. Non mais oui, bien sûr. Envie de se faire péter la géode. Me faire péter la géode. On n'irait pas tous dormir là pour avoir le minage parce que la mine ça rapportera pas mal de sous. On va dormir là, c'est ça. Attends, je pêche juste vite fait une fois et je vais me coucher. Ouais, je pense qu'il faut skip vite. Musique banger. Moi j'ai coupé les musiques du jeu. Ah ouais ? Oh. Ah ouais, ok. Oh,
putain, la River Jelly, ça a l'air d'être banger, ça. Non, mais en fait, j'aime beaucoup les musiques du jeu, mais en fait, un truc que j'aime pas, c'est le fait que parfois, il y a du silence. Moi, j'aimerais qu'elle soit là tout le temps. Ah. C'est vrai que c'est un peu austère, des fois. Ouais, parfois, c'est un peu... Oh, austère, ça rend pas le mot que je mettrais sur Stardew. Si, ça l'est complètement. Mais Antoine... Bon, vas-y, je vais me coucher, du coup. Hein. Hop. Pareil, bonne nuit à toutes et à tous. Ah, on dort dans le même lit ou pas? Non, mais on l'a déjà fait une fois, je pense que c'est bon. Ah, mais peut-être qu'il faut dormir tous les jours. Ah, je pense pas. Hein. C'est déjà perdu, si c'est le cas. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est déjà perdu. Ok. Allez, let's go. Oui, faucher des arbres ne consomme pas d'énergie, ouais. Tout à fait. Exact. Ah bon? Ouais. Allez, on attend la dernière personne. C'est moi, je suis en train de vendre un poisson. Vas-y. Je vais dans la première maison qui... Ah bon, on est tous dans le même lit, hein, c'est super. Eh ben, c'est un plaisir de dormir contre vous. Merci. Collé, serré. Collé, okay, serré. Bon. D'accord. Là, objectif aujourd'hui, faire 1000 balles. 1000 balles aujourd'hui. Bon bah, il faut aller pêcher ou aller à la mine. Je vais à la mine de mon côté. Ça serait bien qu'il y en ait deux qui pêchent, deux qui aillent à la mine. Ouais, ça serait bien. Qui veut aller avec moi à la mine? Moi, je veux bien pêcher. Moi, je veux bien aller à la mine avec toi, Onu. Eh ben, allez-y. Et JDG, moi, on va pêcher. JDG, tu fais rivière, je fais mer. Ah, cinématique, j'ai une cinématique. Le BG bûcheron, là, à gauche. J'ai eu une cinématique. Là. On a les panais. Allez-y, il faudra peut-être racheter... Par là. Non, mais regardez si j'avais bien mon bon outil, et du coup, j'étais coincé par une foule. On va ranger les panais dans le coffre vert JDG, ok? Ouais. Ah, tu veux pas qu'on les vende en... Non, il faut vendre 100 d'un coup, il y a écrit dans le bingo. 100 d'un coup. Mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où, on vendrait la première session pour acheter d'autres graines pour augmenter la... Ouais, non, le poulailler rapporte beaucoup plus. Oui, non, le en fait... La mayonnaise, c'est incroyable. C'est genre 500 par jour après, la mayonnaise. En fait, ouais, voilà, la mayonnaise, c'est incroyable. Et ça, c'est quoi, ça? Faut pas interagir avec? C'est pour plus JDG, tu fais rivière, je fais mer? Ouais, vas-y. Vas-y. Cinématique, faut la skipper. Oublie pas d'aller draguer JDG aussi. Fais la cinématique, ouais. Attends, oui, vas-y, file-moi ta fleur là que tu viens de ramasser. Ah, le chat, il y a un chat? Dommage pour l'animal de compagnie, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai skippé l'animal! T'as skippé l'animal? Quoi, ta fleur? On sort... Peut-être qu'il y avait un objectif, mais on s'en fiche. Tu descends là et après on casse comme ça avec la pioche. Et on casse peu importe les pierres? En fait, en gros, il y aura une échelle qui pop de temps en temps et tu cliques droit sur l'échelle. Dès qu'on voit l'échelle, on descend, c'est ça? Ah, je skippe le chat? Ah, mais je savais pas moi! Parce qu'il y a des monstres. Oh, je suis deg. J'espère que c'est pas dans le bingo parce que vraiment, le but c'est d'aller vite et là on me demande de. Non mais t'inquiète pas, hein, on t'en voudra pas mec. Mais non mais bah en fait c'est un peu chiant si c'est en fait... Parce qu'en fait... Si tu peux skipper la cinématique, j'estime qu'il n'y a pas de truc dedans quoi. Ah très bien, on la garde, ça sera pour le musée ça. En fait on pourrait les jouer, avoir des trucs sympas. Et je ramasse du cuivre. Les slimes... Non, JDG, fais la rivière... Ah oui ok c'est bon. Tu les écrases contre un mur et tu les tabasses. C'est la meilleure solution pour pas qu'ils bougent. Dans mes souvenirs, les poissons à côté de la mine, ils étaient meilleurs que les poissons dans le... Ils sont sympas, ouais. Ils sont bien. C'est bien ça, il y a une différence entre les poissons de la rivière, c'est pas... Il y a une différence, oui. Ah oui, il faut dire, c'était mieux avant la mise à jour. Peut-être pour le bingo, ils veulent qu'on dise ça. Ok. J'ai l'échelle. Ils ont pris de la drogue, les développeurs. Cool, j'arrive, tu peux descendre, je dois... Ouais, en fait, on a peu de place, ça, c'est chiant. Ben ouais, là, le truc, c'est que moi, j'ai plus de place maintenant. On va ouais, mais on a priorisé pour la ferme, là, on voit. En vrai, je peux jeter les pierres, non? Les pierres... non, les pierres, c'est pas si mal. En vrai, les pierres, c'est Osef, hein, je trouve. J'ai l'échelle, mais mais le truc, c'est que j'ai plus de place dans mes poches, quoi. En fait, si t'as des trucs genre... slime ou fibres ou des trucs comme ça, ça, tu peux t'en débarrasser. Viande d'insectes, on s'en fout? Ça fera des appâts. Attends, tu peux le faire tout de suite, d'ailleurs, je crois. Non, mais vas-y, jette-les. T'embête pas. Penny, la viande d'insecte, je jette. Hein? Ouais, vas-y. Penny, elle aime quoi? Penny, elle est difficile, hein. Plus qu'elle aime, c'est compliqué. Elle aime des gâteaux, les trucs comme ça, c'est des trucs un peu chiants. Ah oui, oula, oui. Ah, Penny, je l'ai épousée dans ma dernière save, elle est difficile. Une femme exigeante. Exigeante, oui. Exactement. J'avais fait une idée, contente de peau. Ok. C'est quoi ces coffres là? Moi je découvre le genre. Oh bien, tu me trouves toutes les échelles, c'est incroyable. Oh, du stuff. Alors ça c'est cool, il y a des géodes. Tu peux prendre les géodes? Ouais. Les géodes c'est ultra important pour le musée. Tiens, tu peux prendre ça si tu veux, Laurence.
Est-ce que je peux te donner mes poireaux, comme ça on empile sur un slot? Oh, le perfect. Au nu? Oui. Si je te donne les poireaux, tu les récupères, comme ça on a un slot qui est utilisé. Ouais, mais j'ai une case vide, j'essaie juste de ramasser la bague, mais je crois qu'elle est buggée. Non, mais si t'as deux poireaux et moi j'ai trois poireaux, j'ai comme ça nous libère un slot, non? Attends, je vais vendre les poissons d'abord. Ah, je croyais que t'avais des poireaux. Non, j'en ai pas. Ah, j'ai réussi à récupérer la bague, incroyable. Okay, j'ai vendu des poissons. Poissons. Les minerais de cuivre, tu peux me les donner si tu veux faire de la place. Oui, attends. Acceptez-vous l'offrande? Attends. Ah non, mais là, tu les donnes un par un. En vrai, drop tout sur le sol. Tu sais, tu les sélectionnes et tu les poses à côté de l'inventaire. Ah oui, aussi, Florence, apparemment, me dit de te dire, n'oublie pas, essaye de manger les poireaux que tu as parce que ça fait de la place et ça régène ta vie. J'arrive pas à le faire. Tu cliques à côté, genre tu vois, t'as la zone en dehors de l'inventaire, tu sélectionnes ton taille, tu cliques gauche en dehors et ça va les poser par terre. Attends, putain, je fais n'importe quoi. Il faut que t'aies... T'as pas besoin de les avoir en main. Ouvre l'inventaire. Avec échappe. Sélectionne, clique gauche les minerais de cuivre et tu les balances en dehors de l'inventaire. Tu sais, tu les cliques avec les mines, avec les trucs que vous allez miner et les minerais, le fer que vous allez ramener, tout ça, on pourra améliorer les items aussi. Oui. Est-ce que c'est bon? Ah voilà, parfait. Bah en fait, je faisais la même manip, mais ça marche pas. Bah je pense que tu ne faisais pas la même manip du coup. Non, mais en fait, je le déposais en bas et ça marchait pas. Bon, bref. T'as vu qu'il y avait l'échelle au nu? Oui, tout à fait. Là, j'ai vu qu'il y avait du quartz et tout, c'est pour ça que je voulais le ramasser. Plus quelques monstres aussi, ça peut. Vas-y, je vais donner un cadeau de merde à quelqu'un. Voilà. J'ai donné un cadeau de merde à Shane. Peut-être que voilà. Prends l'échelle. C'est dans le bingo, je sais pas. Hop. Les vagues sont un peu fortes dans les oreilles. Ouais. Bah j'ai. J'ai retrouvé une échelle au nu. Nice. J'arrive, tu peux descendre. Faire. Regarde quand même ton énergie au cas où parce que tu sais, ça descend vite. Bah, j'ai mangé mes poireaux, hein. T'as raison. Au pire, mange-moi le poireau. Au pire, mange-moi le poireau. On descend. Oh, un slime d'élite. Je suis sûr qu'il va y avoir un truc, genre perte connaissance ou un truc comme ça. Sûrement. Ok, j'ai chopé un trésor. Vous avez pas la ref du « au pire, mange-moi le poireau », le chat? Bien sûr que si. Non, le chat, il y a des gens qui ont l'air de ne pas l'avoir. Oh non, j'ai récupéré une vieille bague nulle encore. Après, ça se vend cher, je pense. Est-ce que je peux te donner mon charbon ou pas, Florence? Donne-moi ton charbon. Je te donne mon charbon, tiens. Je me demande si c'est possible de pêcher avec la canne à pêche. Je l'ai repris. Au niveau de la mine. Oui, tout à fait. La rivière devant la mine, tu peux tout à fait pêcher dedans. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est worse? Parce que je me demande si... Si il faut pas une canne à pêche améliorée pour avoir de meilleurs items, quoi. J'ai l'échelle au nu. En vrai, je crois que les cannes à pêche améliorées servent surtout un peu à déjà recevoir les appâts, je crois. Et aussi, ça permet d'agrandir, tu sais, la barre que tu utilises. J'ai ramassé du fer et un chevesne. Chevesne. Et des bottes. Il faut tellement un sac plus grand, là, au secours. Ouais, mais sauf qu'on priorise la ferme. On a décidé ça, on va passer... C'est quoi le jeu vidéo qu'il faut faire dans le saloon, ONU? C'est le roi de la prairie, mais t'inquiète, je vais le faire. J'y suis là, en fait, c'est pour ça. Ah. Non, mais je le ferai, je le one-shot. En fait, il est pas si facile, le jeu, il est vraiment... Ok, vas-y, si tu le one-shot, alors vas-y, je te fais confiance. Je le one-shotterai. Apparemment, le chevesne, si tu pouvais ne pas le vendre, Fred, parce qu'apparemment, il le faut pour le centre communautaire. Exactement. D'accord. J'ai une question importante, si je perds connaissance, est-ce que je perds tout ce que j'ai sur moi? Ah, tu perdras les items, oui, donc... On sort par l'échelle principale, ouais. Remonte. Sors de la mine, clique droit sur l'échelle. Hop. Et tu sors de la mine et du coup, tu perdras pas les items si tu meurs dehors. J'ai pris trop de trucs, faut que j'arrête de déposer des items. Oh putain, non, je suis au sommet, pardon. Ah, j'ai pas compris, j'étais arrivé au bout. Ok, c'est bon, je vais dormir de toute urgence. Je garde Topaz. C'est l'étage combien qu'il faut atteindre? 50, non? 30? Ok. Ah oui, on me dit ça sert à rien, ce bundle est trop dur. Le bundle du cheval est trop dur, donc ça sert limite à rien, faudrait que tu le vendes en vrai. C'est 30. Bon, moi j'avance dans la mine. Hop.
plus beaucoup de vie en vrai, hein, je vais me barrer. Non, pourquoi je... Oh, j'ai vendu le... Je suis trop con. Trop con, j'ai vendu du... C'est qui ça? C'est toi, Florence? Ah, c'est toi. Oui. J'ai récupéré des trucs pour Gunter, c'est cool. Nice. Les aventuriers, c'est quand ça? Aventurier guéri... Ah, guéri uniquement? Quoi? Non, mais comment ça, je suis pas guéri? D'où je suis pas guéri? Non, tu sais, c'est la société secrète, là, à côté, le mec avec son, son cache-œil, là. Pourquoi il n'y a plus un seul pané? Parce qu'on les a récoltés et on les a mis dans le coffre. Alors, est-ce que ça compte de tout vendre d'un coup ou comment ça se... Oui, il faut vendre tout d'un coup, les 100 panais d'un coup. Sauf que là, pour l'instant, on a combien de panais? Mais ils pourrissent pas dans le coffre non, au bout d'un moment, si on les vend pas? Non, non, ils pourront. T'inquiète, t'inquiète. Okay, okay. Ah, ils sont là. On a 55 panais. Voilà. Barbotte, Chevesne, c'est... Nous, c'est quoi qui nous intéresse là-dedans? Mais on a le chat, en fait. Il est là, le chat. Ah, tu l'as accepté, ok. Bah non, je l'ai pas accepté. Il est où le chat? Dans ma maison. Faut ramasser, vous pouvez me les épeler, me dire c'est quoi exactement? Franchement, vends tout, mec, pour l'instant. Bah, il nous faut absolument 4000 pour demain. J'ai une barbotte et un poisson lune. Vends tout, vends tout. Okay. Vends tout, vends tout, vends, vends. Le chat, il est là. Le charbon, rename, je pense. Quand je ramasse, je le balance ou aux F? Le charbon, tu le mets dans le coffre. Ok. On peut rename le chat? Je sais plus. Si on peut le rename, faut l'appeler DFG, je pense. J'attends que l'espace soit libéré. Je trouve ça tellement plus stressant, Stardew Valley, que Lethal Company. Ouais. Dinguerie. Ah oui, le chat. En fait, c'est qu'il y a tellement d'infos surtout. Pensez à caresser le chat, peut-être qu'il... Ouais, ouais, j'ai caressé le chat. Dès que vous le voyez, faites clic droit sur le chat. Il y a des cœurs, hein, il y a des cœurs pour le chat en plus. Ouais, tout à fait. Il est où le chat? Dans ma maison. J'arrive. Oh oui. Can you pet the cat? Oui. Je suis au lit. Oh, il est trop mignon. Il clique droit sur le chat et dodo. Barbotte, il en faut pour le bundle. Mais il en retrouvera. Là, il faut qu'on fasse du fric. Là, faut... Ah, vous dormez tous au même endroit encore? Bah ouais, ouais. Peu importe. Moi, je vais dans ma maison en fait. Hein. C'est les gens qui viennent dans ma maison après. Hein. Ça te pose un problème, Antoine, qu'on vienne dormir dans ton lit? Oui. Alors, attends. Hop là. Pêche. Zut. Alors. Moi, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir Robin avec le bois et la pierre et je vais aller commander le poulailler. Ouais, vas-y. Plus enchaîner avec la mine. D'ailleurs, si vous comptez pas aller à la mine, ne prenez pas votre pioche avec vous. Ça fera de la place dans l'inventaire. Prenez que ce que vous avez besoin, sinon vous allez être embêté. Je retourne à la pêche ou pas? Ouais, alors là, le but, ça va de continuer de faire du fric, je pense, pour le sac à dos, en vrai, maintenant. Donc, je vais prendre... Il me faut la pierre et le bois. Tac, c'est là. Onu, toi aussi, on t'a donné... Ah non, mais fournaise, tu l'avais déjà, non? Fournaise, faudrait fabriquer une fournaise, ça serait bien aussi. Mais tu l'as le plan? J'ai le plan. Vous l'avez pas? Bah dans ce cas-là, je vais vous... Attends, je vais le donner, c'est pour ça que je demande. Je l'ai. Moi, je l'ai pas. Tac, tac. Parce que je me dis, s'il y a que moi qui l'ai, bah il faut que ce soit moi qui le fasse, mais du coup, c'est réglé quand même. Alors, vous avez vu, il y a aussi plein d'items. Si quelqu'un peut aller faire ça, il peut aller voir Gunter. Il y a par exemple Topaz, c'est chez Gunter. Cristal de terre, c'est chez Gunter. Quartz, c'est chez Gunter aussi. Il y a aussi les 8 géodes, vous les ouvrez chez... Ah, attends, je vais m'en occuper. Vas-y, je vais m'en occuper, voilà. C'était les miennes. Ah, vas-y, attends, c'est dans le coffre rouge, attends deux secondes. Il faut aller chez Clint et ça coûte 25 par géode, l'ouverture. Mais ça donnera des trucs pour le musée. Gunter, ouais. Il faut vraiment que... Bah, c'est à côté, Florence. Tiens, vas-y, prends les géodes, Florence, on va y aller ensemble, viens. J'ai que le géode à prendre? Ouais, vas-y, prends juste les géodes. Et il y avait Topaz, Quartz, et ça, c'est à donner à Gunter directement. Topaz, Quartz et Cristal de Terre. Oui, j'ai tout pris. Je l'ai pris. Antoine, j'ai pas posé mes outils pour le truc. Ok, je t'attends. Pour avoir de la place. Je t'attends. Mais vas-y sans moi, hein, je sais non. Où c'est. Ah oui, tu sais où c'est? C'est pas au sud de la ville? Pas du tout, c'est tout à droite. Tout à l'est. C'est l'est. Bien. Ah, c'est non, non, je reste avec toi, je vais t'emmener. Viens, je t'emmène. Je suis là, grande bouche. Attends, il est sympa ton slip, Antoine, si je peux me permettre. Attends, deux secondes. Hop, c'est bon. Merci beaucoup. Il paraît qu'on peut se marier entre nous, c'est vrai? Ah bon? Parce que si c'est le cas... Ah, j'ai une cinématique. Ah, la cinématique du centre communautaire, on met centre fin. Communautaire, skipper à droite, on va à droite. Donc là, c'est bon, le centre communautaire, exactement. C'est ouvert. Donc maintenant, si vous faites échapper, on n'a pas encore. Non, pas encore, je pense qu'il faut qu'on rentre dedans une fois. Attends. Ouais, vas-y, si quelqu'un peut rentrer dedans. J'y vais. Apparemment, ouais, les joueurs peuvent se marier entre nous. Peuvent se marier entre eux, donc ça serait peut-être un goal, ça. Peut-être. Il faut tenter. Non, attends, on va aller à gauche. Je vais mettre là.
mettre le poulailler. Hop. Hop, le poulailler était commandé, donc vous inquiétez. Ah, mais je pense que pour activer le truc, il va falloir faire la séquence avec le sorcier, non? Ah oui, c'est ça, exactement, tu as raison. Ah, il faut qu'on aille fumer le calumet de la pêche. Ouais, mais alors, ça se déclenche plus tard, par contre. Ouais. Ça sera demain, je pense. Alors du coup, Florence, faut que tu me suives, c'est par ici. Le calumet de la pêche. Tu vas où, Antoine? Bah là où il faut qu'on aille. Ok. Maintenant, on pourrait commencer à réacheter des panais, je pense. Petit à petit. Attends. Mais je pense qu'il va falloir prioriser le sac à dos aussi. Alors, pour te péter la géote, c'est ici, Florence. Je pense que le sac à dos, c'est pas prio, parce que ça coûte assez cher. Et c'est là où tu vas si ou chacun c'est là où, non, c'est là où, c'est où je t'ai montré. Ok, d'accord. Si chacun son métier, on peut juste prendre ce qu'il nous faut comme item. J'ai tout pété, et les trucs que tu peux donner à Gunther, tu vas les donner en dessous. Le musée, c'est la maison en dessous. Merde. Ouais. J'ai pas de chance, je suis tombé sur un étage boss. Ah, bien joué, Funky Joe. Mais putain, j'ai que l'étage boss. Bon, bah, voilà. Ça va sinon, à part ça. Ça va, ça va. On est là, on accumule du stress, mais... Bah oui, bah, écoute, ça va bien. Ah, très bien. Moi, j'ai toujours mes côtes pétées. C'est énorme. Donc là, le but, c'est quand même de faire de l'argent aussi, encore. Hein. Venu Trem ? Oui. Ok. Oui, là, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour Lewis, après acheter les poules. J'espère que ça compte au bingo. Il faut qu'on économise pour acheter des poupoules. Parce que c'est 800 la poule. Ouais. Et qu'est-ce que je fais des trucs de géode là? Alors les trucs de géode, tu lis leur description, s'il y a le mot Gunther dedans, tu vas les donner au musée en dessous. Et s'il n'y a pas écrit ça, les géodes, tu vas voir Clint, donc c'est la au-dessus du musée. Et en fait, tu payes. Elle les a déjà pétés les géodes? Ah, il les a déjà ouvert, pété, ouais. Parfait. Mais alors attends, le musée... Gunther, c'est juste en dessous, c'est la maison en dessous. Le gros bâtiment. Pas si gros le bâtiment, ouais. Barbotte, ah merde. Et c'est la sorte de cow-boy bleu derrière le comptoir. Oui, je l'ai vu. Je l'ai... Peu importe où. Non, ah, oui, peu importe. Elle va arriver, l'autre. Voilà. Le renf qui fait des dons. Personne n'a racheté de panais pour replanter, parce qu'on a 148 balles seulement, en fait. On va acheter des poules avant, on aura le temps. En vrai, les panais... T'es sûr qu'on aura le temps en termes de saison? C'est 4 jours pour que ça pousse, ouais, les panais. Ouais, c'est quand même ça. 4 jours, ça va. On est que le 6ème, il y a 28 jours. On est ok pour les panais. Je pense que c'est un peu le piège, qu'il faut pas trop rusher les panais. Ailey, mission Ailey, JDG, ça se passe comment là pour l'instant? Sa maison, là. Ah, tu l'attends? Ok. Je l'attends devant ça. Ça m'étonne pas de toi. T'as pris les fleurs. Oh, le creep. C'est quelle maison là? Manger, jonquille, non. Non, non, de préférence, non. Oui, pas de stalker. Putain, trop chiant là que ce soit ici. Ailey, elle habite en bas, dans les grandes maisons en bas. Chez les riches là, le quartier bronze. Tu voulais des seaweeds là? Attends. C'est dans le village principal? Ouais, c'est dans le village principal, en bas à gauche. En bas à gauche. En fait, c'est la sœur d'Emily. Avec les cheveux bleus. C'est la sœur d'Emily. C'est qui déjà Clint? Clint, c'est lequel déjà? Clint, c'est le forgeron. Ok, faut que j'aille le voir. Ouais. Elle est où? Oh, je me suis tapé les tâches boss, quoi, c'était un plaisir. Elle est où? Vas-y, j'y vais. Je suis tellement dans ma zone. Ils ont changé la gueule. En intérêt que je pêche ou pas? Ouais, pour faire de l'argent. Ça rapporte un peu, effectivement, la pêche. Oh, quand même, ça rapporte pas mal, même. Elle est pas chez elle. T'es vérifié dans le parc? Je vais voir. Ou à la plage? Quoi que c'est en été, la plage seulement, il me semble. Pas la porte. Mais moi, je veux faire l'amour. Il faut que j'aille quand même un peu. Faut vraiment qu'on soit pote avec. Faut vraiment qu'on soit pote avec la fermière là, parce que sinon on n'aura pas le slip du maire. Oui. Elle est tout le temps dans sa boutique ou au bar. Ouais. Mais je sais plus ce qu'elle aime, elle. Ah oui, si, vous l'aviez dit tout à l'heure, les trucs de ferme ou genre des pierres précieuses. Exactement. Pierres précieuses aussi, elle aime. Qui n'aime pas les pierres précieuses dans le jeu? Oui, la récompense de Gunther, j'arrive. Je suis en train de pêcher là. Une pour l'amour. Pour l'amour. Attends, à droite, tiens. La vois pas? Ah si, c'est bon. Ah, tu as déjà donné 2 cadeaux à elle cette semaine, ça suffit comme ah ça. Ah oui, ça suffit. Oh, c'est des graines de chou-fleur. On pourra les planter pour faire... Ouais, faut les planter. Ouais. Je les plante maintenant, non?
Ouais, ouais, tu peux les... Bah, dès que tu rentres à la ferme, tu les plantes, ouais. Attends, mais pourquoi ils sont en train de baiser les slimes? Jamais vu ça. Ah, attends, lui, je l'aimais bien. Lui, ça, c'est le... Comment il s'appelle? Elliot. J'ai essayé de parler. Ah, Elliot. Pas plus de 2 pissenlits par semaine, c'est la règle. C'est mon petit crush, Elliot. J'ai tellement envie de faire du shopping, si seulement il y avait un centre commercial ici. Hop. Ok, je suis à l'étage 15 de la mine. Ça avance. Oh, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui. Oui. Oui, Fred. Je veux dire, le nom des 4 poissons, comme ça, si je l'ai, je ne l'ai pas, quoi. Je sais pas en anglais. Alors, carpe, barbotte, apparemment. Esturgeon. Esturgeon, c'est dur, par contre. Esturgeon, on a le jeu en anglais, là, en fait, donc... Carpe, j'ai. Barbotte, j'ai. Ensuite ouais. Esturgeon. L'esturgeon, c'est dur à pêcher. En fait, c'est le lac coûté. La journée, je crois. C'est quand il pleut, peut-être. Non, c'est que quand il pleut, hein, je crois. Ouais, moi, les 300 bois... Moi, je trouve que les 300 bois pour le pont de la plage, là, ça serait pas mal, en vrai. Hein. Tu penses? Bah, en fait, il y aura des coquillages de temps en temps. Il y en a tout le temps, quoi. Archigan à grande bouche. Et le dernier... Esturgeon, c'est l'été. Esturgeon, c'est l'été. Été, j'ai un Joja Cola, vous aviez demandé ça tout à l'heure. Joja Cola. Mais bon, on drague pas Sam. Non, c'est Shane, il aime bien les Joja Cola, là, non? Non, c'est qui? Non, c'est Sam qui aime les... Sam, les deux, ils aiment bien la junk food. Mais en vrai, tu peux le prendre, tu peux le boire, ça te fait un boost de vitesse de déplacement, ce qui est pas déconnant en vrai. Je peux plus lui vendre à lui, hein, je crois. Non. Il faudrait que je mange dans le... En vrai, ONU, ça c'est quoi le vrai objectif qu'on doit pousser là? La poule là, c'est le poulailler full avec les machines à mayonnaise. Ouais. Mais par contre, c'est un peu chiant, le fait qu'on n'ait pas de sac à dos, c'est un peu chiant. Mais oui, je suis d'accord avec toi, faut qu'on fasse les machines à mayonnaise, absolument. Machine à maillot, je crois qu'il faut des cristales de terre, je crois qu'il en faut 4. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Parce que là, du coup, pêcher ne sert à rien avant l'été. Qu'est-ce que je peux aller faire d'autre là? Tu peux... Qu'est-ce qu'il nous faudrait là? Là, il y a rien de planté là, on est d'accord le chat là? Le point est peut-être dans le bingo, parce que je me pose la question, tu vois. Est-ce que vraiment, ONU, t'as besoin de bois ou pas du tout? Le bois, non, là, il n'y a plus besoin de bois. Ouais, okay. Je peux planter là, on est d'accord? Oui, tu peux planter où tu veux, Florence. Non, mais je sais pas si les panais ça revient ou pas en fait. Non, il va falloir qu'on rachète des panais. De toute façon, demain, il va falloir qu'on aille se droguer. Hein. Ouais. Oh oui. Oh oui. Oh yeah. J'essaie de parler à tout le monde. Pourquoi y a un enclos, là? Qui a fait un enclos? Connu, je pense. C'est le poulailler. Il est en cours de constru. Ah, il est là? Ah, mais elle est pas là pourtant, je la vois pas. Elle est peut-être se coucher, je pense. Enfin, je sais pas. Ok. Pour moi, elle bossait même de nuit. Ah oui, mais peut-être qu'en multi, non. Peut-être qu'il y a que moi qui la vois, je pense. Vous êtes tous de dodo, là? Non, sinon t'aurais eu la notif si on était parti. Moi, je vais couper du bois un peu. Moi, j'ai encore plein d'énergie, c'est pour ça. Il manque un dernier étage et j'arrive. Bah, hésite pas à prendre des trucs, à couper des trucs, à... C'est ça. Récolter des poireaux. Il y a la zone en bas à gauche de la map qui est pas trop explorée, normalement. Est-ce que pour la drogue, il faut qu'on y aille tous ou il faut que ce soit une seule personne qui y va? Peut-être mieux qu'on y aille tous, non? Je pense qu'il faut tous y aller, j'ai un doute, mais je pense qu'il faut tous y aller. Moi, il me semble qu'il faut que, quand on l'avait fait avec Bagheera et Ortif, il fallait qu'on soit tous là. Est-ce que je suis assez aguerri maintenant pour aller les voir, eux, ou pas? J'ai gagné ça. Ah. Mais non, mais je suis pas aguerri! C'est quoi qui te manque un poisson, Fred? Quoi? Tu disais qu'il te manquait un poisson. L'esturgeon. C'est le dernier que j'ai pas. Esturgeon, ça sera pendant l'été. Il est très très dur à pêcher, pour le coup. Bah, j'irai, je m'en occuperai, t'inquiète, mais... Là, du coup, je vais peut-être arrêter de pêcher, parce que ça suffit, non? Pour l'instant, on est bien. Après, c'est bien, ça fait monter tes compétences de pêche. Donc, plus tu vas pêcher, plus tu vas être fort. Après, tu pourras même acheter la canne à pêche améliorée chez Willy, potentiellement. Si tu veux vraiment focus la pêche, ça peut être bien. J'ai loupé un réfort, mais j'ai plus de place. Mais attendez, pourquoi il y a des poissons dans... Ah oui, ok. Est-ce que vous voulez les garder pour le centre communautaire? Ok. C'est des poissons dont on a besoin et les jette pas. Attends, ça par contre, je vais prendre ça. J'ai les rivers là. Est-ce que quelqu'un a... Ah non, faut attraper. Parce que j'ai une mission de pêche. Je sais pas si c'est commun ça. Je sais pas. Appuyez sur F, est-ce que vous avez pêche chevenne? Non. Mais t'as le jeu en français là? C'est chacun pour soi. Ouais, oh moi oui. C'est en français. Ouais, putain, je suis le seul à l'avoir en anglais. Forger, faudrait que je fasse. Ah, mais je sais, ok, je vais faire une. C'est bon, je suis au lit. J'arrive. Dépêchez-vous de venir. J'arrive. Je suis sûr qu'il y avait un truc où si on se couche trop tard, un après minuit, ça fait un malus le lendemain. Peut-être. Ou je sais pas quoi. Tout petit malus d'énergie, mais c'est pas trop grave. C'est vraiment très tard. Hein. Faut vraiment qu'on dorme très tard.
Non, mais ce que je me dis, c'est peut-être que c'est dans le bingo. Ah oui. Qui va chercher le slip sale? Alors, le slip du maire, il va falloir être pote avec la fermière. Marnie. Avec Marnie. Marnie Gaumont. Et du coup, Marnie, il faut soit lui donner des pierres précieuses, soit des produits de la ferme. Genre lait, œufs, tout ça. Elle kiffe. Il faut minimum, je crois, 2 cœurs avec Marnie pour pouvoir récupérer le slip du maire. Combat. Alors, en vrai, ça rapporte. Ouais, la pêche, ça rapporte, Tonu. Ouais, c'est vrai, les pêches. Ça rapporte quand même. Après, c'est parce que quelqu'un fait ça toute la journée, donc effectivement, c'est bien. Bah, je l'ai fait aussi. Oui, mais là, c'est ce que je fais. Moi, je fais que ça. Est-ce que je continue? On a besoin d'argent? On fait quoi? Là, il va falloir... On n'a pas besoin d'arroser, mais on n'a rien de planté. Ok, là, il y a la lettre du sorcier. Récupérez votre lettre et on va aller voir le sorcier. C'est en bas à gauche. Venez, attends, on va y aller ensemble. Et là, c'est l'anniversaire du maire aussi, si jamais. Qu'est-ce qu'on lui offre au maire? Je sais plus ce qu'il aime. Il aime je sais un plus. Peu fermier, quoi. JDG, viens, on va aller se droguer. J'ai 10 slimes, ok, c'est Robin. Non, j'ai plein de mails, je réponds pas à mes mails. Voilà. Il faut pas servir des outils en particulier ou pas? Non, on s'en fout. Au moins une hache pour passer et... Ah, parce que moi j'ai pas ma hache sans moi. Moi j'ai la pioche pour avancer. Non mais venez avec nous. Venez, descendez. C'est qui la Venez. C'est par ici. C'est vrai que le dimanche il y a ça aussi. Alors je pense que c'est pas très intéressant, la marchande itinérante. Ah. Mais non, là y'a rien. Ah, le chou rouge pour le centre commune. Non, mais on va pas finir ça maintenant. Ça déjà arrivé. Bon, même toi, ça a déjà fini le jeu. En fait, hein. Non. Non, achetez pas, c'est hors de prix en plus, on a pas les moyens. Venez. Arrive. Alors, on peut pêcher de l'alose quand il pleut, effectivement, dans la rivière. On skip la cinématique, hein. J'arrive pas à rentrer, c'est verrouillé, cependant, vous pouvez entendre quelqu'un à l'intérieur. Je crois que c'est bon, non? Vous l'avez tous fait ou pas? Ah, c'est chacun son tour. Ah, bah moi je suis dedans. Ah non, pardon, c'est que c'est pas ouvert, ça ouvre à midi, je crois. Bah moi je suis allé dedans. Ah ouais, je l'ai fait. Ah, mais c'est que j'ai peut-être pas eu le message de. Ah, mais j'ai pas eu le message, moi je crois. Ok, attends, quand vous faites E, est-ce que vous avez le community center à droite ou pas, ONU? Non, ah, c'est pour ça, j'ai pas été au centre communautaire encore. Ah. Y a besoin? Oui. Ah, bah oui, faut y aller, oui. Oh. Ah merde. Du coup, c'est pas grave. Ok, de quoi Florence? T'as eu la cinématique ou pas Florence? Ben je crois. Est-ce que tu as eu la cinématique? Donc t'as eu la cinématique. On est d'accord Florence, quand t'appuies sur E, à droite, tout à droite de ton menu, t'as le logo Community Center avec le petit arbre. Sur E? Non, je crois pas. Hein. Appuie sur E. Tu vois la poubelle à droite? Oui. En haut, est-ce que t'as deux ou une? Ah si, oui. Ok, c'est bon. Ok, celui-là. Donc en fait, faut que tu saches que quand tu seras sur le menu, quand tu passes ta souris sur un objet et que le petit community center il brille, ça veut dire que c'est un truc que tu peux donner au... Enfin il brille, il clignote. Ça veut dire que c'est un truc que tu peux donner. Ah. Donc ça c'est vachement bien de le savoir ça. Qu'est-ce que je peux offrir à Lewis les gens pour son anniv? Lewis, je sais pas ce qu'il aime, mais ouais c'est son anniversaire. Je suis au community center, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut que t'ailles, tu sais la petite stèle à gauche. Ouais, ou juste regarde la stèle et normalement ça va te la débloquer. Des panneaux, il kiffe, ouais mais bon. Bah on peut lui en offrir un, je pense que ça se fait. Elle aime les glands, elle. Pas sûr. Mais généralement, les petits trucs ramassés par terre... Je peux l'offrir. Ah non. J'ai cliqué et le petit snamètre jaune, il a disparu. Oui, c'est bon, faut que tu sortes. T'as eu un texte avec une écriture incompréhensible dedans, c'est ça? Oui. Ouais, parfait. Bah du coup, demain, t'auras la lettre du sorcier et tu pourras mettre des trucs dans le centre communautaire. Ras, Modius. J'ai pêché, c'est ça, pour faire de l'argent? Bah, oh, si tu veux. Florence, tu fais quoi, du coup, toi? Y'a la lose, JDG. Je te demande si je pars dans une zone à déchets. Y'a pas vraiment de zone à en vrai. La lose dans la rivière, apparemment, si d'après ce qu'on m'a dit, il est nécessaire pour le centre commu. La lostre, on en a une déjà. Ah, lose, c'est vrai. Oh, bien joué. C'est que des déchets, hein. Et on a sur les 3, les 4 poissons qu'il faut, on en a 3 déjà. C'est parfait. Bien géré. Si tu veux, tu peux soit venir dans la mine avec moi, soit continuer à pêcher pour l'argent. J'ai pas d'épée. Bon, attends, je vais tenter de donner des trucs au centre communautaire. Quand tu rentres, ouais. Ouais, t'en donnes. Tu veux que j'aille avec toi? Vas-y, j'arrive. Je vais m'occuper du centre communautaire, les gens. Vas-y. Ok. Comme ça, je vais voir ce qu'il y a. Attends, Red. Bon, le bois, je suis pas sûr que j'en ai. Attends, ça. C'est en haut. T'as un... Attends, t'es où? Monte le plus haut possible. Attends, t'es parti à droite, je crois. Le bois. Okay, c'est bon. Ouais, on prend l'ascenseur? Ah, t'es rentré. Ok, pardon, ouais. Je te cherchais dehors. Niveau 20 Niveau 20, ouais, niveau 20 direct. De toute façon, est-ce que tu peux ouvrir le coffre, toi? Niveau 20? Oui. Ah, prends-le, il y a une épée dedans. Okay. Elle est meilleure. L'autre, tu peux l'acheter à la poubelle. Ouais, ok.
c'est quoi, c'est Ah, atteindre les zones bleues foncées, c'est impossible. Alors, on va se partager les ressources pour l'inventaire. Ah, donc... mais putain, mais j'ai pas pris mes pioches. Ah merde, ah bah ça, là tu vas pouvoir rien faire, là faut que tu... Ouais, ah oui, si pêcher, tu vas à la mine, c'est mieux avec... Tu vas à la mine sans pioche, mec. Si tu vas à la mine sans pioche, mon bro. Là. Ah non, si, j'ai une pioche. Ah, bien joué, bro. Reviens, reviens, reviens. Mais j'avoue, vous aurez des items gratuits tous les 10 étages quand vous aurez le temps de passer. Ah, les moustiques à la con, là. Hop là. Bon, je vais donner les trucs au centre communautaire. Plus on tue de mobs et plus on a de chance après de trouver des échelles en cassant les cailloux. Mais je pense que tu le sais déjà. Oui, je sais. Alors. Ah. Ok, j'ai une échelle ici. Attends, j'en reste du cuivre. Ah. Voilà. Vas-y. Ah. Tu peux me le donner le cuivre hein, si tu veux pour de la place. Parce que j'ai déjà 15. Ça arrive, go 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 go. Tu peux me dropper ton cuivre. STP. Je le filerai quand j'aurai plus de place. Ok. Moi j'ai déjà plus de place. Question complètement à la chasse, mais Onu, quel rang sur Valo? Moi, je suis toujours Silver 1. Je suis voilà. Bronze 3. Silver 1, mais j'attends. Non, mais je joue encore au jeu hors live, je joue beaucoup. Et on a joué l'autre fois avec lui. C'est vrai. Et on t'a sorti, sorti du bronze. Ah non, mais pas du bronze, pardon. Non, non. Fer. J'étais fer 3, je suis monté. T'es retourné fer, pas longtemps. Oui, je suis vrai, ouais. Je suis ouais, ici. Une erreur de déjà, jeunesse. Florence, t'en es où là du coup? C'était bronze Je sais plus si je suis bronze 1 ou bronze 2. Bronze en tout cas, déjà, c'est repassé bronze, ça fait plaisir. Il te faut 200 bois, 100 pierres et 10 bois pour le bundle construction qui est dans le bingo. C'est quoi ça, Onu? Alors, il y a un bundle construction, il faut effectivement 200 bois, 200 pierres et du bois dur. Eh oui, alors j'ai déjà mis les 200 bois, j'ai mis les 200 bois et les 100 pierres. Et le bois dur, par contre, je peux pas encore l'avoir parce que j'ai pas la hache qu'il faut en fait pour l'instant. Le bois dur, on peut le trouver. Non, en fait, le bois dur, tu le coupes avec une hache en bronze, non? Je sais, mais je crois qu'il y a un autre moyen de l'en avoir aussi. Ok, c'était combien le pont? Le pont en bas déjà? J'ai oublié. 300. Ouais. T'es descendu là? Ouais, je descends. On a 1900 balles, est-ce qu'on n'achèterait pas des panais en vrai? Non, il faut acheter des poules dès que ça se passe. Ouais, mais les panais c'est qu'au printemps, mec. Hein. On a le temps, c'est 4 jours. 4 jours pour que ça pousse. On achètera tout parce qu'on aura tellement d'argent avec la maillot qu'on pourra acheter tous les panais qu'il faut avant. Mais là, c'est vraiment les poules. Pour acheter les 4 poules d'un coup, ça coûte 3200. Donc il nous faut de l'argent. Il faut 4 poules dans le bingo? Il faut 4 poules pour avoir un max de maillot. Ah, ok, donc, mais c'est pas dans le bingo quoi, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le bingo. Hein. Bien sûr. Mais avec l'argent, on pourra faire tout le reste, très facilement. Ok. Dont les panais. Oh bon, c'est sorti. J'ai marre le bruit là, mec. Pas leur grand-père. Écoutez, moi je fais confiance à Nutrem, c'est lui qui a la responsabilité, c'est lui qui a l'expérience. Donc si on perd, c'est entièrement ma faute. Oui, tout à fait. Exactement. Et si on gagne, c'est l'équipe. Tout à fait. T'as tout compris. Le prévu. Je vais te donner mon cuivre. Ah oui, je veux bien. Bah, le cuivre, il faudrait une fournaise pour le faire, pour avoir la hache, pour avoir le bois en fait. Ça serait vraiment bien de faire une hache en cuivre. En cuir, pardon. Je vais manger ça. Hop. Mais ouais, pour l'inventaire, je crois que ça coûte 1000 balles par personne. Hein. C'est énorme. Par ici? Oui, j'arrive. On est à quel niveau, là? Il faut qu'on aille au 30. You got some new ideas to sleep on? C'est pas ça. Ça veut dire que tu vas me level up, nouveauté de l'impost. Ah oui, ok. Vas-y, je vais aller réparer. Je vais aller réparer le pont. Ça se trouve c'est dans le bingo, on sait pas. J'avoue. J'ai 306 de bois là. De toute façon, Antoine il sera pas heureux tant qu'il aura pas réparé le pont. Donc. Mais le pont c'est grotesque, on se rend pas compte là, mais c'est ah insane. Non, mais je ne nie pas ton ressenti, ton émotion est valable, Antoine. Valide, c'est ça le terme. Valide, exact, mec. Mec, pardon, je t'appelais mec. Désolé, mec. Ok, il y a du quartz, c'est bien. Il est 100% dans le bingo ce pont. Je sais pas. Hein. En tout cas, je vais le faire. T'es où là? T'as trouvé une échelle? Non, je te cherche. Puis en haut, je te démonte. Mais quel casse-couille, OMG? De quoi? Pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai fait casse-couille? Tu peux ramasser le quartz ou pas? Hein. Mais en fait, casse-couille. Ouais, je peux. Hop là. Ramasse-le, c'est bien ça. Les géodes, je les garde aussi? Les géodes, ouais. J'en ai trois déjà. C'est bon, le pont est réparé. Bien joué.
Valait le coup. Comment on découvre les inconnus du bingo à la fin, vers quand ce sera terminé. Échelle. Échelle, j'arrive. On va lui prendre plus de méduses pour la bouffer. J'avoue que j'ai pas énormément d'énergie. Je vais manger des jonquilles. Tarder à devoir remonter là. On est à quel étage ? 29, donc après on a le checkpoint. Oh, c'est déjà étage 29 là ? Ah bah moi je rush. Ah ouais, t'as rush mine là, une dinguerie. Je pense qu'on avait fait déjà une douzaine, non ? Avec ONU la première fois. Ouais, à peu près. J'ai planté des. Après Florence, elle a trouvé les échelles à chaque fois. Oh non, j'ai pas le. Ouais, j'ai eu une chance très de bien joué. Non, juste trop forte, c'est tout. Voilà, tu peux le dire. Juste trop fort. Monstrueuse. C'est rien du tout. C'est Silver 1, on trouvait des échelles sur dans la mine de Star. Il est pas fou Silver hein. Si un peu, je pense que t'es diamant 2. Ah ouais ? Je pense hein. Ah bah t'as trouvé tellement vite. Les carottes. Tiens le quartz et je prends les carottes. On prend les carottes, j'ai pas de place. Oh non. Je te file mon cuir encore, j'ai du fer, du charbon. J'ai pas la place pour le fer. Le fer c'est bon pardon. Vas-y go. Du coup je prends les carottes. Le riz je jette. Allez, 30, go chercher le 30. Oh, j'ai chopé une anguille. Oh, c'est très bien, c'est pour le centre commu, ça. Et deux géodes en plus de ça. Très bien, on a beaucoup de géodes. Ça va faire avancer le musée, c'est incroyable. C'est bon, bien joué, Fred. Let's go. Il est quelle heure, 20h50, on va rentrer. Hein. Il commence à se faire tard. Les anguilles, les îles, c'est dans le centre communautaire, ça. Attends, îles. Non, les îles, c'est pas pour le centre. C'est centre communautaire aquarium. Non, on l'a peut-être pas encore, l'aquarium. Non, on l'a pas encore, mais on n'aura jamais le temps de faire ça. Faudrait peut-être vendre, non ? Non, là, c'est très rare, l'anguille. Ok. C'est que quand il pleut. Donc, garde-la vraiment. Ok, ok. C'est jusqu'à quelle heure, c'est étonnamment ? C'est à minuit, à peu près, ça ? Ça dure 4 heures, en tout. C'est un timer, surtout. C'est 4 heures. Donc, c'est jusqu'à minuit, à peu près. Comme on n'a pas commencé à 20h. Ouais, je crois que c'est minuit 15, peut-être. Truc de ce genre, ouais. Ouais, non, mais je vais la garder, l'anguille, vous inquiétez pas, je la vends pas. Par contre, je vais vendre le corail. Attends, corail, c'est ce dit ? Corail, tu peux vendre, ouais, aucun problème. Demande, achète les poules. On s'en fout, on la jette, hein. De quoi ? La dorade. Alors, ce que tu mets là-dedans, c'est pas jeter, c'est vendre, hein. Non, mais on le vend, quoi, je veux dire, on le garde pas. Oui. En fait, si tu vois que ça clignote pas pour le centre communautaire, tu vends, globalement. Alors, bois flotté, quartz et pissenlit, c'est des trucs pour les filles. Ok. Hein ? C'est ça ? Je me trompe pas ? Pour les filles ? Quartz, ça servira... je peux faire le fourneau. Il est en full drag. Oui. Il drag quoi. Est-ce que vous avez du cuivre ? Où sont les morceaux de cuivre ? Il y a du pissenlit. Mais je crois que le quartz, je sais plus, c'est à quelqu'un, s'il faut le filer à quelqu'un, il y a une des meufs qui aime bien le quartz. Alors attendez, hop, je mets ça ici. Il faut Marnie en bas. Marnie, je crois qu'elle aime ça. Il faut absolument que tu lui donnes parce qu'il faut qu'on soit amis avec elle pour pouvoir aller chercher le slip du maire plus tard. Ouais, le quartz, tu peux le donner à Marnie, effectivement. Marnie, c'est la fermière, celle qui vend les poules en bas. D'accord, ok, donc je vais faire. Oh dodo. Bah attends, là, faut aller se coucher là parce que là, il est minuit. Par contre, on n'aura pas assez pour acheter les poules. Est-ce qu'on peut pas vendre un max de trucs pour tout acheter demain en poules ? 3200 pour les 4 poules. Je vais faire Marnie. Bah, je sais pas, hein. Je regarde ce que je peux vendre. Ouf ! Ne vous inquiétez pas, je vais vendre des trucs qui se vendent. Et le bois flotté, c'est laquelle ? Je sais pas, mais mec, faut aller dormir là, il est minuit là dans le jeu. Je suis dans le lit déjà. Ok, j'arrive à qui je vais draguer demain. C'est Léa pour le bois flotté. Léa, c'est laquelle ? C'est la blonde, je crois. Oui, tu vas faire pipi, Florence. Ouais, je vais faire pipi. Faut dormir. Piquer mon chien. Il y a quelqu'un qui dort pas là. Je suis là, j'étais juste en train de vendre. Léa, elle habite où ? Dites-moi. Je ne sais plus. La graine, c'est zéro, mais. Ah non, elle est rousse, Léa, pardon. Elle est rousse, pardon. Ok. 1000 balles. Va falloir qu'on vende un peu pour acheter toutes les poules. Est-ce qu'on l'a aujourd'hui, le poulailler ? Je suis pas sûr. Oui. Ripper la dorade ? Je n'ai rien compris. En attente d'un joueur, qui est en altab ? Oh non, c'est Florence. Oh non, elle s'est mis altab. Florence ! Florence, ça s'est mis altab. Non. Putain, c'est mis en altab. Mais pourquoi se mettre en altab? Non. Juste sur son stream, voilà. Elle est pas encore là. Putain. Go la kick là, go la kick. Ouais, venez sur nos chaînes là, s'abuser. Go la kick.
Déjà, pour commencer, oui, on se répartit les viewers, et ensuite, Gwalk. Bien sûr. Eh bien, on peut faire un résumé de ce qu'il y a à faire dans le bingo pendant ce temps-là. Alors, voyons voir. Donc, ramener 20 objets au musée. J'ai ramené énormément de géodes et plein de nouvelles pierres précieuses à mettre au musée. Donc, ok, je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Ok. Descendre à étage 30, ça c'est validé. Tu lui dis de pousser à l'hôpital plus fort. Vendre sans panier, plus fort. Trouver le caleçon du maire, ça on le fera. Remplir 2 quêtes du centre communautaire. Je pense que ça peut se faire du coup. Putain, allez, retire-toi le tab, Florence. Retire-le à le tab, Florence. On attend depuis tout à l'heure. De quoi? On attendait que tu finisses ton truc depuis tout à l'heure, en fait. On est en wait. J'ai dit que je vais aller faire pipi, donc mais je vais. Oui, mais sauf que du coup, nous, on est tous en pause, du coup. Ah, mais je savais pas. Du coup, on est tous en pause. Je savais pas, je vous ai dit. Et en fait, je vous ai demandé. Enfin, je vous ai dit, je vais aller faire pipi en me disant, est-ce que c'est le bon moment pour y aller? Ah, c'est le bon, mais. Ah, il pleut encore. C'est pas encore les poules, c'est demain les poules, c'est demain. Je n'ai pas pissé dans ma couche. Ah, bien sûr. Le tiroir à pisser. Il pleut encore. La ferme n'est pas finie, ONU. Non, c'est demain, pardon. J'ai un vieux qui m'apprend la fournaise. Attends, ça va dans le centre communautaire, ça c'est bien ça. La fournaise, je vais commencer à faire. Est-ce qu'on peut faire d'autres fournaises? Je pense qu'on va faire d'autres. Il faut absolument qu'on ait du cuivre. Oui, j'en ai beaucoup. Ok, je vais aller faire le tour des filles. Tour des filles. Allez-y. Bon, je sais pas trop quoi faire là du coup. Il y a plein de géodes et de pierres précieuses à donner au musée si tu veux. Allez, go. Il y en a plein. Attends, c'est bien ça qu'il faut que je donne. Ouais, ça faut que je le donne. On commence à cuisiner. Vas-y, je vais aller le donner. Là, je vais donner un. Là, je vais donner un truc qui va finir un bundle si jamais. Et les carottes, plante-les si tu peux. Plante tout ce que tu peux en vrai. Mais je me dis, il y a peut-être des saisons. S'il y a écrit que c'est au printemps, c'est bon. Oh. Ça ouvre à quelle heure ici, là, la fin? C'est 8h la plupart des endroits. Putain, j'ai arrosé alors qu'il pleut, quoi. J'ai fini un bundle! Bien joué. Vous avez eu la notif ou pas? Oui. Oui. Okay. On va me faire péter la géode, j'arrive. Ah, j'attends l'ouverture. Oh non, ça prend trop de temps. Du coup, ça a ouvert plusieurs autres bundles, dont le bundle poisson, si jamais ça intéresse des gens. Je sais plus où on va se faire péter la géode. Je peux aller amener l'anguille. Tu peux mettre les trois qu'on a déjà. Je vais aller emmener les poissons, ouais. Oui. J'y vais pour les poissons. N'oublie pas de prendre l'anguille aussi. Fermé, oui, j'ai. Poisson-chat en rivière les jours de pluie. C'est vrai. Le et sorcier. Là, j'irai juste après les gens. Ouais, allez au sorcier, hein, c'est important. JDG au Nutrem. Sinon, je pourrais pas donner. J'avoue. Oui, vous pourrez pas donner si vous n'allez pas voir le sorcier. Ça va, mais d'abord, j'attends que ça ouvre. Je suis devant la ferme. Là. Ah merde, il est pas ouvert encore pour les géodes. Vraiment le harceleur. Hein. C'est bientôt. Je vais aller donner des géodes aussi. Okay. En sort. Tu passes par la ferme, Antoine? Pas du tout. Mardi, okay, parce que j'ai mardi, l'améthyste mardi, sur moi. Déjà. J'ai absolument pas. J'irai la poser, t'inquiète. C'est quartz ou bois flotté, Marnie? Bois flotté, c'est Léa et... quartz pour Marnie. Quartz, ok. Marnie, c'est la brune et Léa, c'est la rouge. Marnie, c'est la fermière. Bah, elle est brune. Elle a dit merci, mais il n'y a pas eu de cœur. Florence se fait péter les géodes. Dire qu'elle aime bien, mais qu'elle est pas en mode giga bien. Attends, pourquoi j'ai un cadeau? Ah non, c'est pour je peux lui offrir des géodes, mais c'est pas ce que je veux faire. Attends, bah du coup, je donne des géodes moi aussi. Hop. Je crois qu'on peut faire en même temps, hein. Non. Attends, j'en ai que deux à donner. Hop. Ah, mais je suis dessus là. Non, c'est bon, j'ai donné. C'est bon. Ok. J'ai gagné du Sandstone et du Earth Crystal. Ça, c'est des trucs à vendre, Earth non? Earth Crystal, garde-les, c'est pour faire les machines à maillot. Ah, Earth Crystal, c'est pour les machines à maillot. Après, tu peux en donner une chez Gunter, mais après les autres. Non, j'en ai déjà donné une chez Gunter. Ok, parfait. Donc il nous en faut 4. Chez le sorcier, je peux pas y aller toujours. Si tu. Ah, mais c'est pas. T'as pris la lettre que t'avais dans ta boîte aux lettres, Fred? Mais non, moi je veux jamais les lettres. Faut que t'ailles ouvrir la lettre. C'est dommage parce que moi j'ai eu 500 balles là, tu vois. Bien joué. T'as eu 500 balles? Mérité. Ouais, mon père m'a donné 500 balles. 500 balles, daron. Fille de bourgeois. Que vous? Quoi, ça faudrait que je m'occupe du roi de la prairie un jour, mais je le ferai plus tard, je pense. Vas-y, je récupère ça pour vendre. Florence qui pêche. J'adore pêcher dans ce jeu. Ouais, moi aussi. J'ai un peu envie de miner aussi. C'est pas la rousse qui construit la grange, c'est pas elle à qui je dois filer le bois flotté?
Je sais plus. Si, beaucoup. Depuis ton départ. Ah non, pas elle, non, ça c'est Robin. Ça c'est Robin. Ouais, elle a envoyé des cookies. Il y a trois rousses dans le jeu. On prend les rousses. J'ai ma mère qui m'a envoyé des cookies. Moi. Pareil. J'aurais préféré les tuer, franchement. Après, tu ne penses pas ce qu'il dit quand il dit c'est le. Ah, mais j'avoue, on aurait dû prendre des persos féminins parce qu'il y a les golds à la place des cookies. Bah, évidemment. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ah, c'est vrai, ça change ça? C'est vrai, ouais. Je crois que c'est vraiment par rapport à ça. Ah, je savais pas. Après, les cookies, masterclass. Mes poissons, là, ah, c'est pour ça que t'as eu 300 balles de ton père, je pense. Des Florence, rate ses poissons. C'est 500 en plus, c'est beaucoup. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu, hein. Oh, on aurait eu 2000 balles. Mais oui, si on avait fait tous des persos féminins, on aurait eu 2000 balles d'un coup, là. Ah, mais je savais pas ça. Mais j'avais zappé l'info, je me rappelle. Ça, chez You, il le savait, ça, c'est sûr. Oh, bah oui, 100%. J'ai envie d'aller faire de l'espionnage industriel sur le stream de Mintos. Que je fais tous les jours, ça. De l'espionnage industriel sur le stream de Mintos. Ah, j'ai gagné une Frozen Geode. Ça, c'est pareil, c'est une Geode. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce que je jette? Je vais jeter. Attends, mais c'est quoi ces poissons là? Barbotte, incroyable. 13h10, ok. Bois flotté, elle est où la meuf du bois flotté? Je ne sais pas, mec. Il y a une petite maison en dessous de chez Marnie. Tu vois, où elle est Marnie avec qui vend les poules. J'y vais. Et en dessous, c'est la petite maison. Mais alors, s'il pleut, elle sera peut-être enfermée chez elle et tu pourras pas y aller. Bah, non, il faut être ami. Mon inventaire est full de chez full. Et voilà. Elle est difficile. Faut pas lui jeter à travers la fenêtre. Prends ton bois de merde. Ah, merci pour le cadeau. Je crois que j'avais une quête, il fallait que je tue des slimes. Oui, 10 slimes verts. Voilà. Les items se reset une fois par semaine. On va pas oublier les panneaux, ONU, hein. T'inquiète pas, c'est dans mes plans. Je plante plein de conneries, hein. Ah mais évidemment, elle va pas sortir, il pleut, merde. On a largement le temps de faire les poules avant. Ah, j'ai toujours 100% d'énergie, j'ai rien fait. Je vais pêcher un peu histoire de faire de l'argent. J'ai ramassé 3 géodes d'un coup. Ouais, les cookies de mon père, je les vends, hein. Hop là. Quelle ingratitude. Désolé, bro. Ouais, attends. Je vais vous envoyer de l'argent directement. Ok, ça je garde. Les sardines. Nanananana. Au fond de cette boîte. Chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Au fond de cette boîte. Je connais par cœur. Bon, je connais ça, quoi. Les huiles et les aromates. J'ai peur que ce focus sur les poules soit pas le top. Moi, je fais confiance à Unutrem à 100%, messieurs, dames. Je vous dis que les poules, je pense que ça peut quand même être worse. En fait, surtout qu'il y a les œufs, ça va servir. La mayo, ça va servir. La mayo, ça rapporte beaucoup. En vrai, tout ce qui est objet de drague, laissez-moi tout et je ferai le... Ah non, je comprends pas donner les panneaux au truc. Je suis un idiot. Les objets de drague... Oh, on est en mode speedrun du jeu, en mode comme il faut le jouer, et pas bingo. Bah, je sais pas. Moi, je connais pas assez le jeu pour savoir ça. Bah, en fait. Moi, c'est ça le problème. Parce que moi, j'aurais été pour vraiment qu'on fasse les panettes, tu vois, mais si ONU nous dit. On va les faire. On les fera de toute façon. On les fera. Mais les rushers, c'est pas le meilleur truc. Ok. Mais la lose, il faut le donner au centre communautaire, en fait. Dès que tu vois le truc qui clignote, faut le donner. Bah, il clignote pas vraiment, il pulse. Oui, voilà, s'il pulse, oui. Faut... Il pulse. Après, dès qu'on aura acheté les poules, on pourra tout de suite commencer les panner. Ah, l'esturgeon, faudrait. Moi, ça me repose, ce bruit de pluie, là. J'ai envie de dormir, en vrai. Oh, mais c'est trop dur. Mais pourquoi est-ce que... En fait, ONU, je comprends pas pourquoi est-ce que... Ah oui, non, parce que ça coûte combien, une poule? 800. C'est 800. Une fois qu'on a les 3... Une fois qu'on a les 4 poules, après, on fait full ferme. Voilà. Si ça peut te rassurer. Ok. Oh, c'est trop dur.
Et là, poisson de merde. Poisson de merde, va. Trop chiant. Mon inventaire, c'est chiant. Mais ça doit être un truc de... C'est un requin, là, ou quoi, là? Vas-y. Plus c'est dur à attraper, plus le poisson est rare. Ouais. C'est ça. Mais généralement, avec les premières cannes à pêche, c'est quasiment impossible. Mais je pense que tu as peut-être l'esturgeon dans la montagne. Et c'est l'esturgeon le plus dur. L'esturgeon, il nous le faudrait vraiment parce qu'on en a besoin pour le centre communautaire pour finir un bundle. Tu peux y arriver, mais ça va être chaud. Oh, la pêche, elle a dit des... Oh, pitié, monsieur. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se garde de l'argent pour acheter les épouvantails aussi. Ah mais c'est 2000 balles l'épouvantail? Non, c'est moins cher. Non, l'épouvantail, on peut pas le fabriquer nous-mêmes, l'épouvantail? En fait, il faut, dans le bingo, c'est 3 épouvantails différents. Ah. Et en fait, c'est des trucs qui se vendent dans les fêtes. Écoutez, le prix de chaque item est abusé dans ce jeu, je pense. Ouais, ouais, les achats, c'est rarement bien. Ouais. Oh non, mais 19h50, le musée est fermé. Ah oui, oui, à cette heure-ci, y a plus rien, là. Faudrait que t'ailles faire le jeu vidéo aussi au nu. Hein. Ouais, je vais m'en occuper. Là, j'avançais dans la mine pour récupérer des trucs. Par hasard, y'a pas un moyen de dupliquer des objets en trichant par hasard? Ça, je ne sais pas. Oh, j'ai chopé un 4 fiches poisson chat. C'est jamais, hein, tu vois, je pose la question. Poisson chat, excellent. Garde-le pour le musée, c'est très rare en plus. Pas pour le musée, pour le centre commun. Pardon, quand je dis musée, oui. Je voulais dire centre commun, mais oui. Je me crois dans Animal Crossing. Oh, j'ai oublié, j'étais pleine. Je pense. Revenons au jeu. L'inventaire, bien sûr. Quoi d'autre? Immonde. Immonde. Est-ce qu'on peut aller dans les égouts? Pas encore, non, ça c'est bon. Jeu, Florence. Non, mais c'est un truc qui est prévu par le jeu, je veux dire. Oh putain. Allô? Oui, plus tard, oui, tout à fait. C'est dur d'y aller parce que je serais pas étonné que ce soit une case du bingo. C'est vraiment compliqué, il faut avancer vraiment dans le musée. Ah, tiens. Guide des aventuriers, ok, je vais la valider et je vais rentrer à la maison aussi. Je vais rentrer à la maison et je vais aller améliorer ma canne. Il faut de l'argent pour ça? Non, tu l'achètes chez Willy. Ah oui, mais c'est de l'argent et c'est de l'argent commun, donc c'est embêtant. Hey. Embêtant. Il faudrait qu'il fasse soleil là, parce que j'ai l'impression que les pissenlits ne pleuvent pas quand il fait. Enfin, ne poussent pas quand il pleut. Allez. Je ne sais pas. J'avoue, je sais pas. Il va falloir aller se coucher bientôt là. Ouais, j'arrive. Je vends ça. Et la lose, on l'a déjà donnée. Alors, on pourra aussi faire les arrosoirs. Non, la lose, on l'a pas encore donnée. Hein, ça clignote. Hein. Ouais. T'es sûr? Si elle voit que ça clignote, c'est que ça clignote. Hein. Je vois que ça pulse, mais après. Oui. C'est dans l'aquarium, je crois. Donc, il faut regarder le bon paquet. Oh non, putain. Oh non, ce poisson, il est horrible. Je l'aurais pas. Abandonne, hein. Non. Méduse de l'océan. Dodo ? Attends, je suis en train de pêcher un poisson. Parler à mode par la mon gosse, là. Dodo ? Demain, poupoule. Oh, demain, putain, allez ! Il y a des gens qui ont donné des trucs entre-temps, parce que ça clignotait, et maintenant, ça clignotait. Oui, il y a des trucs qui ont été donnés, oui. Voilà, c'est mieux ça. Ah, t'as éteint le feu. Dodo. Je suis pas du tout là, moi. Oh putain, j'ai réussi à le pêcher. Oh, c'est quoi que t'as pêché? Un 4 fiches encore, j'en ai 2. Ok. Bon, ça vaut de l'argent quand même, donc il y en a un pour le musée et... pardon, le musée. Le centre communautaire. Oh putain, il va être minuit. T'as jusqu'à 2h du matin. Ouais, j'arrive. Vous êtes tous au lit, là? Oui, chez toi. Laisse le chat tranquille. Attends. Donc ça, est-ce que ça va au centre commun, ça? Oui. En vrai, il faudrait que je vende rien. À part ça. Est-ce que je peux en vendre qu'un seul? Non, je peux pas. Si, non, je joue sans mode. Ah, hein. Les classiques mieux de mode, mais sinon... Mais ça... Les classiques, bien sûr. Hop là! Oh oui, Funky Joe dort avec moi. Bien sûr. Les poules! Je rush acheter des poules. Du beau temps là. Et tout l'argent qu'on fait en plus, on peut l'investir dans les panais si vous voulez. Ah oui. Investissons dans les panais, merde. Donc là, on peut déjà acheter. Alors on est mardi donc. 4500 moins 3200. Quick Mars.
Vas-y, je vais aller au centre communautaire. Arroser, ouais. Attends, oui, mais je vais pas faire tout seul, sinon. Non, mardi, je c'est pas le mardi. En fait, vas-y, je t'aide. Non, on est mardi, ça casse les couilles. De quoi? Bah, elle est pas ouverte le mardi. Oh. Ah, c'est chiant. Bon, bah, on peut commencer à acheter des panais quand même. Bah, vas-y, on te laisse acheter des panais du coup, Onu. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Qu'est-ce qui ouvre le mardi? Le mardi, la ferme est fermée le mardi. On peut pas acheter des poules. Pour l'instant. Mais je vais aller acheter des panais sans trop dépenser. C'est fou quand même que ça fatigue d'utiliser un arrosoir. Ah, ça fatigue bien même. Ah, c'est fermé. Je veux dire, si on devait faire une tier list des activités fatigantes, je mettrais pas arroser d'abord, tu vois. Mais oui. Non, et Pierre s'est fermé le mercredi, ça je sais. Le couper pour voir. Ouais, je voulais juste récupérer ça. J'aurais dû prendre ma canne. Mais d'accord, je peux pas encore mettre dessus. Hein. Ça, je peux pas encore. Hein. Non, je peux pas encore. Allez, je m'en fous. Oui, en plus, c'est vachement fatigant d'arroser son jardin, c'est vrai. Hein. Surtout à l'arrosoir. Tu fais comme les petits vieux, j'attends devant la boutique. Le petit chat! Les poubelles. C'est bien que tu lui aies donné à boire. Chat, je lui ai remis de l'eau. Bien, c'est bien. Lac, c'est bon. L'eau, elle doit pas être aussi clean quand même. Bon, les chats, ça adore leur croupie. C'est vrai, ça par contre. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah, moi, je vais donner des trucs, je vais faire péter des géodes, j'ai plein de trucs à faire. Je vais acheter des panais et les planter. Tu veux faire un peu de mine, Florence? Tu peux faire de la mine si tu veux. Mon chat, je lui sers de la cristalline et il préfère aller boire dans le vieux cendrier qu'il y a dehors. Florence, tu viendras m'aider, je pense, à planter des panais. Pourquoi pas? Est-ce que vous voulez que je vous relise les trucs du bingo? Si tu veux, vas-y. Alors attends, parce que je pense que c'est un peu nécessaire. Il y avait pas des géodes à ouvrir aujourd'hui? Mais je vais aller en ouvrir 2. Ramener 20 objets au musée, donc peut-être autant après si ça. On n'a pas déjà plus de 20 là? Alors c'est le musée, pas le centre communautaire, hein, je tiens à le dire. Hein. Pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose? Ah non. Dans le musée, c'est en dessous de là où tu fais péter les géodes, et le centre communautaire, c'est là où le truc en haut là avec les petits monstres là. Allez, un peu plus. Ça n'a rien à voir. D'accord. C'est bon. J'ai pris 60 panais, hein, si jamais. Ramener 20 objets au musée. Descendre à l'étage 30 de la mine. Vendre 100 panais d'un coup. Trouver le caleçon du maire. Remplir 3-4 du community board. Faut vraiment être pote avec Marnie pour le caleçon du maire. Hein. Quoi, Florence? Oui, je m'en occupe. Ouvrir le community center. Cuisiner une pizza. Il faudra agrandir la maison, ça, c'est FF, je pense. Finir le paquet poisson d'eau douce. Atteindre 10 cœurs avec un habitant. Construire un poulailler, obtenir un starfruit, trouver un partenaire à la danse des fleurs, finir le paquet construction, assister à la danse des méduses du clair de lune, mais je sais même pas ce que c'est ça. Non plus. Juste, il faut combien d'objets pour le musée? Vingt. On en a 9 pour l'instant au musée. Ça va se faire petit à petit avec les géodes. Il nous reste moins de 2 heures, hein, si jamais je tiens à le dire. Enfin, un peu plus de 2 heures, juste 2h04, quoi, comme ça. Tu peux commencer à bêcher comme moi et commencer à arroser, je vais planter les graines et tu peux arroser les graines derrière. Ah, il y en avait 10, pardon. Tu veux un arrosoir? Ah, c'est Marnie, merde, il faut du quartz. T'as pas du quartz? Y'a pas quelqu'un avec du quartz au village, là? Non. Onu, il y en avait tout à l'heure, mais peut-être qu'il l'avait. Il y en a sûrement dans les coffres. Ah, mais non, mais il est dans sa chambre. Elle sortira peut-être. Sors! Ah, c'est bon, elle est sortie. Je laisse Stalker, celui-là. Allez. Hop. Et maintenant on arrose. C'est bon, j'en ai plus. Le bundle poisson d'eau douce, donc faut farm les rivières en fait pour ça. Il en manque un seul, je crois. Ah ouais? Et c'est l'esturgeon. Mais l'esturgeon, il faudra qu'on achète une meilleure canne à pêche. Ah. Parce qu'il est dur à avoir sinon. Et c'est que quand il pleut malheureusement. Ah ok. T'as planté les panais, Onu? Tout à fait, on est en train d'arroser avec Florence là. Très bien. Donc dans 4 jours, on aura énormément de panais. Je n'ai plus d'énergie parce que j'ai 3 arrosés. Va faire une sieste, Florence, ça remonte ton énergie. Oui, vous pouvez. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quand est-ce que c'est la fête des œufs? Parce qu'on pourrait acheter des fraises, et les fraises, c'est ultra rentable en termes d'argent, d'investissement. Ok, mais on aura le temps de cultiver tout ça, non? J'ai pas de courrier, et du coup, je sais pas comment je fais pour aller prendre la drogue. La fête des œufs, c'est dans 3 jours. Mais on aura jamais le temps, mec. Enfin, là... on aura peut-être pas assez d'argent pour la fête des œufs et les fraises. On me dit que l'esturgeon c'est en été surtout, on me dit. Il y a aussi en été, je crois qu'il y a les deux. On pourrait attendre l'été si jamais. On me dit l'esturgeon c'est toute météo en été. Dans le lac, il y a peut-être des poissons qui sont plus chers que d'autres, non?
Le lac où ça? Le lac à côté des bœufs, là. On me dit c'est été et hiver, si jamais au nu. Hein. Quoi? Pas printemps? Non, apparemment non. Pas me donner ma drogue. Apparemment pas. Été, hiver, toute météo. Ah ok, bon bah... Et c'est montagne. Voilà, c'est montagne. Faudra attendre... On attendra l'été. C'est ici, le mage. Moi, il veut pas me donner ma drogue. Il me dit juste, bah si t'as rien à me dire, casse-toi. Isa? Le mec qui vend la drogue. Le chaman. Ah oui, non. Ouais, skip la cinématique, hein, Fred. Peut-être j'ai déjà pris, j'ai fait gaffe. C'est vrai que on pourrait tenter le sauna aussi pour un potentiel bingo aussi. C'est ce que j'allais dire justement. Dans quelques jours, il y aura un tremblement de terre, ça va libérer le sauna et ça recharge l'énergie. Je vais miner. Tu vas miner? Ben ouais, mais le problème c'est qu'il est 14h20, donc c'est un peu tard, non? Ouais, j'ai pas d'énergie. Non, pas d'énergie. Non, en vrai, c'est une mauvaise idée. Non, c'est une bonne. Non, vas-y. On y va. Je suis allé au centre communautaire. Faut que je prenne un peu de bouffe. Y a pas beaucoup de bouffe. Ah, les cristals de terre, c'est excellent qu'on en ait. Le centre communautaire est ouvert ou pas aujourd'hui? Il est ouvert tout le temps, même à minuit, même 2h du matin. Le centre commu, c'est tout le temps. Ok, parce que j'ai un truc à déposer. Onu, t'es parti? Ouais, moi je suis déjà parti. Le truc dans le centre communautaire qu'il faut lire, c'est cette espèce de pancarte jaune un peu là, c'est ça? Ouais, c'est les petites pancartes au sol. C'est pas ce qu'il faut lire, c'est. Comment ça? Il n'y en a qu'une à lire, les pancartes. Au début, oui. Moi, j'en ai débloqué plein d'autres, hein, mais c'est au début, si t'as jamais rien fait, il faut que tu fasses ça, oui. Ou alors, c'est peut-être que je l'ai fait, le mage, mais j'ai pas fait gaffe. Je sais pas du tout, mec. J'avoue, j'en ai aucune idée de ce que tu as fait ou pas. Je ne sais pas. Florence, quand t'arriveras dans la grotte à l'ascenseur, prends l'étage 10. Ouais, j'avais fait ma récompense au musée. Des items gratuits. Ah oui, ok, ça marche. Bon, moi, je vais pêcher un peu, hein. Ça fait un peu d'argent. Faut attendre la lettre du mage. Ouais, normalement t'as une lettre du mage dans ta boîte aux lettres. Ouais, comme, dans ta boîte aux lettres. Ouais, mais nous ça fait vachement longtemps qu'on l'a eu du coup. Bah ouais, j'ai rien eu. Je sais pas trop pourquoi t'as pas eu. T'as bien eu les cryptos dans le centre commu écrits en d'une langue incompréhensible, non? Ouais, je te jure. Ok, donc normalement t'aurais dû avoir le courrier. Non, t'as plein de courriers différents, t'en as peut-être beaucoup. On me dit, mais à ce rythme, vous n'atteindrez même pas l'été là. C'est vrai qu'on est lent. Ouais, il faut dormir vite. Bah ouais, mais là, en fait, je sais pas du tout comment faire, en fait. C'est ça le truc. Méga dur. Non, mais même, j'ai pas assez de connaissances du jeu pour vraiment savoir comment faire. Onu, t'es à quel étage, tu sais ou pas? T'as été à l'étage 10 et 20? Oui. Et t'as récupéré les corps? Oui. Eh bien, je suis au 30. Ah, je suis au 32. Enfin, 33. Ah, j'ai pas trouvé l'échelle. Les enfin, en gros, tu peux y aller que par 5. Dans tous les cas. Non, je vais me faire attaquer par les chauves-souris. Attends, mais je trouve pas l'échelle du 32. Il n'y a pas d'échelle pour 32. En fait, c'est 30, 35, 40, 45, c'est toujours par 5. Et c'est l'ascenseur. Non, mais je suis descendu au 30 et après je suis descendu en mode... T'as tout cassé, t'as pas trouvé? Ben, j'ai pas tout cassé, mais si tu me dis que t'es au 33, t'as déjà trouvé l'échelle, non? En fait, il y a que... Non, mais là, tu peux aller au 35, vas-y. 35, j'ai déverrouillé le 35, tu peux prendre l'ascenseur 35. Ah, attends, je suis trop loin maintenant. Sinon, tu prends l'échelle pour remonter et tu prends l'ascenseur. T'attends. En minant. C'est incroyable ce truc là. Ah bon, content warning, c'est prévu lundi prochain, les gens du chat? Oh. Moi je suis pas au courant si c'est prévu lundi prochain quand t'as warning. Si, C'était marqué dans la pas mes messages. C'était marqué lundi mais ça joue qu'à 4 hein. Non, il y a des mods qui vont plus. Mais est-ce qu'on commence vraiment à... Ok. Non mais moi je savais pas moi que c'était ça, moi j'ai pas de... T'as proposé de le faire demain, je t'ai répondu hier, mais en fait on va le garder pour lundi. Ah ouais? Bon moi ça me dérange pas de le faire demain. Hein. Moi, j'ai autant de découvrir tous ensemble le même jour, mais... Hop. Comme tu veux, oui. Moi, je m'en fous, hein. Tu sais, si on peut faire demain, j'ai fait déjà. Moi, ça m'arrange pas demain. T'as un stream de prévu demain? Échelle. De quoi? Tu as un stream de prévu demain?
Non, mais c'est que j'ai très très peu streamé ces derniers jours et du coup je voudrais faire un peu des streams solo aussi. Ah, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ben, si vous prévoyez ça demain, du coup je suis obligé de faire du multi. Mais t'es pas obligé de faire le stream avec nous? Bah, j'ai envie de découvrir le jeu aussi. Ah oui. Bien sûr. Attends, je regarde juste. Tu es descendu échelle en bas à gauche, Florence. Ah, bien, bien, j'avais pas vu. Je vais demander des poissons et je reviens. Va contre les créatures des ténèbres. 40, hein. De toute façon, là, le bingo de la, du niveau combien de la mine, on l'a eu, ça? Ça, oui. Ouais. J'ai trouvé. Bien, let's go. Je suis gifted hein, pour trouver les trucs. Ah, c'est bien. Faites attention, il est 8h50. Vous m'entendez? Oui. Faites bien attention. Bah, je suis en route pour le... je suis en route pour venir. Je suis pas en forme. Il y a un endroit où on peut voir le nombre de cœurs avec, qu'on a avec les... Oui, tu vas, tu fais E, le troisième truc c'est social. Et tu vois, moi j'ai zéro cœur avec tout le monde, hein, je veux dire. Hein. C'est vraiment, j'ai pas du tout fait ça, moi. Moi je déteste les gens. C'est juste le bois flotté, j'arrive pas à, j'arrive pas à retrouver la... Ouais, Léa, elle est relou à s'en jamais, en fait. Focus à Ellie, hein, focus leak, à Ellie. Je sais pas ce que c'est, le leak. Bah, Ellie, je suis dessus tous les jours. Hein. Et focus Marnie aussi, hein. Marnie aussi, c'est important. Je la travaille au corps. Marnie, si on l'a pas, on pourra pas récupérer le slip du maire. Ouais, ouais. Je mets 3 géodes à récupérer dans très bien, je m'en occuperai demain des géodes. Ah, c'est poireau, ok. Quartz qui traîne, y'a pas un minerai de fer, y'a pas un vieux quartz, un quartz qui traîne quelque part? J'en ai un sur moi, mais je suis pas encore rentré. Je l'offrirai à la fille de ouais. Moi, je vais pas retenir leur nom, c'est par des descriptions, je pense. Voilà. Et... Donc demain on achète les poupoules. Attends, c'est ouvert le mercredi ou pas Marnie? C'est quand que ça ouvre? Pourquoi j'ai zéro cœur avec tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? De quoi? Hein? J'ai zéro cœur. Ah. Même avec Ellie? Elle est où Ellie? Ah, concernant Content Warning, ils ont bloqué les serveurs à plus de 4 car ça faisait trop laguer le jeu et les serveurs. Ah. Ah merde. Ah. Ellie, zéro cœur. Mais quoi? Mais comment c'est possible? Cadeau apprécié, jonquille. Enfin, je donne des jonquilles et j'ai zéro cœur. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où il faut qu'on offre tous des jonquilles, peut-être? J'en ai aucune idée. Oh non, j'espère que c'est pas ça. Alors, j'espère qu'il faut pas tous donner. Oh non. Oh non, mais c'est impossible. Ça serait. Non. Non, mais vraiment, c'est impossible. Sinon, là, c'est. Bon, j'ai mis mon quartz dans ce coffre, Frédéric. Les cœurs, ils sont censés être rouges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il est marqué mais il doit donner autre chose, ouais, c'est pas suffisant les jonquilles. J'ai deux cœurs, mais ils sont... Non, les cœurs, c'est solo, on me dit. Mais pourquoi ils sont pas gris, les cœurs? Ils devraient être rouges, si. Ceux qui sont remplis sont rouges, ouais, tout à fait. Bah donc, c'est pas ça, j'ai pas deux cœurs, alors. Ça, c'est des gens à qui j'ai jamais adressé la parole, et non. Donc, jonquilles, ça suffit pas. Ah, attends, on me dit... Attends, non, vraiment, c'est vrai, ça? Pour débloquer le social, tu dois saluer tout le monde d'abord? Non. Ah, il y a une quête, ouais, je crois. Oh, quel enfer. Ah oui, c'est chiant. Non, c'est vraiment ça? Bah, je crois. Tout le monde doit saluer tout le monde? Je sais pas. Eh, faut que tu dises bonjour à tout le monde, je pense. Oh, l'enfer. Mais tu... Ouais, va falloir le faire. Bon, bah, je m'occupe de... Eh, Dodo, la vite. Bah, je regarde, c'est ma vitesse maximale. Depuis la mine, j'ai fait comme ça, à cette vitesse. J'ai débloqué l'étage 40, d'ailleurs. Bon, ça donne à l'inspire, mais c'est très nul. Tu pourras le récupérer et le vendre. Bon, là, du coup, va aller go les poules, là. Si c'est le mercredi, j'espère que le mercredi, mais j'ai un doute sur le mercredi aussi. Hein. Moi qui a travaillé quasiment jamais. Ça va bientôt être la fête des œufs. Hein. Zéro énergie. Bah ouais, normal. Hein. C'est quoi ça? Adore. Hein. Grasse mat. Grasse mat. En même temps, il est 6h. Hein. Et ça va dans le sens. On arrose. Ouais, ce serait bien que on arrose, pas. On arrose. Comment je sais que j'ai pas salué? Je crois qu'il y a des points d'interrogation quand tu les as pas dit. Oh là là. N'hésite pas, hein, si tu veux que je te dise où ils sont, je sais à peu près, donc tu me dis visage. Le black, c'est où il est. Le bleu, je sais pas où il est, par contre. Il est où le bigleux? Le bigleux? Attends, avec des lunettes? Ouais. C'est Pierre, c'est la boutique. Tu... Oui, ah, il est dans la boutique chez Pierre. Ferme aujourd'hui la boutique. Non, moi, la plupart, je n'aurais pas dit bonjour.
Ouais, mais c'est parce que c'est Fred qui s'occupe du social. Et quel choix. Quel choix, ouais. Le séducteur de la team. Ah oui, c'est vrai, pour le bingo. C'est fou, ce jeu a été fait par une seule personne. Voilà, je le dis pour le bingo, c'est vrai, au cas où. C'est incroyable. C'est vrai. Vous saviez que il a passé genre 7 ans à développer le jeu et que tout le monde pensait autour de lui que ça ne marcherait jamais. Ouais, fait, c'est comme Tame Impala, il a tout fait tout seul aussi, vous saviez ça? Ouais. C'est incroyable ça. Un grand respect aux gens qui font des jeux seuls quand même. Fille violet et fille cheveux verts. Le puits, c'est intéressant ou pas du tout? On s'en fout? Non, le puits, à moins qu'il y ait un truc bingo faire un puits, ce qui est pas impossible, mais vu que c'est caché, on va pas prendre de risques. J'ai du quartz, Fred, t'as besoin de quartz ou pas? Mets-le-moi dans le coffre, ouais, je le récupérerai. Je le mets dans le coffre bleu. Alors ça se donne au centre communautaire. Y a des jeux à donner? Attends, je regarde s'il y a des jeux à donner. Sûrement, j'en ai ramené. Oui, il y en a 3 à donner, là. Ça ouvre à 9h mardi. Il y a même 4 ici. Il y avait Graveyard Keeper, il y a un autre jeu où tu étais... Non, c'est, ça ressemble, mais c'est pas du tout le même dev. C'est les mêmes qu'on fait Punch Club. Le petit chat, il a pas à boire? Vous vous en foutez du petit chat? Mais tu t'en occupes, Laurence, du chat, parce que je suis responsable du petit chat. Voilà. Alors attends. Lui, après, t'as dit, lui il est au magasin, mais c'est fermé. La fille aux cheveux verts et la fille aux cheveux. Cheveux verts, bah c'est magasin aussi, hein, c'est la femme du. Magasin et cheveux violets. Cheveux violets, c'est la fille, c'est pareil, c'est la fille du magasin. D'accord. Alors faudra faire gaffe parce que, hey, les gens, le slip du maire, c'est le 3 en été, on est le 10 du printemps. Hein. Il s'en va jamais. Le vieux. Ah oui, non, mais tu veux dire, ah oui, faut qu'on aille. Le slip du maire. Et je pense que maintenant qu'on a les poules, et on va enchaîner les journées, on va dormir et fermer l'argent. Hein. Je pense. Hein. Faut qu'on rush l'été. C'est peut-être année 2, hein, les autres, hein, je pense. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir rush. Hein. 100%. Bon, c'est normal si on a plus d'argent. Oui, t'as acheté des poules. Ouais. Ah, c'est bon, j'ai acheté toutes les poules. Il va falloir acheter des panais avec ce qui reste alors. Merde, c'est pas là. Exactement, j'en avais déjà racheté 60. Mais on peut garder l'argent pour acheter des fraises à la fête des œufs. Non, il nous faut les panais, mec, je t'en supplie, il nous faut les panais. Je les ai déjà plantés, 60. Ah, c'est bon, alors parfait. 50 plus 60, ça, normalement on est bon. Normalement c'est bon, effectivement, tout à fait. Tout à fait, je suis pas très bon en maths, mais... J'ai plus assez de place dans mon inventaire. Je sens que ça te perturbe ces panais, hein. Je sens que ça te stresse en toi. Ah bah, je me dis, il faut absolument qu'on l'ait, quoi. Enfin... Je comprends. Moi aussi, j'ai... Limestone, il la donne pas? Voilà. Minto, ça a optimisé. Ah, cheveux violets, elle est là. Minto, ça a optimisé déjà, et il fait 500 panais par heure, là. Il est là. Oh. Je veux juste rien, je veux jouer au ballon avec toi. Vas-y. Alors moi, je t'ai associé, on va être... Mettre le slip du maire dans la soupe pendant la fête hawaïenne, c'est peut-être le bingo. Je sais pas. Il y a des grandes chances, c'est très grandes chances. Est-ce qu'on aura le temps d'arriver jusque-là? Pas sûr. C'est ça la question. Pas sûr du tout. Bah, les panais, c'est à vendre en une fois. On n'oublie pas. Oui. C'est vraiment pas vendre. Faut tout vendre d'un coup. Oh, okay, il me manque big bleu et cheveux verts. Eh bien, ça sera magasin. Oh, j'ai des graines de melon. Et nice. Ils sont enfermés dans le magasin quand ils sont enfermés. Ouais, ils campent le magasin. Caroline, elle sort des fois avec les cheveux verts. Mais Pierre, il sort jamais. Il campe. Je pense que je vais aller faire le roi du désert là. Le roi de la prairie. Le roi de la prairie. Le jeu vidéo. Ah oui, c'est bien ça. Ah si. Attends, c'est qui lui? Le gaming. C'est le premier boss, c'est ça? Faut que je regarde. Harvey, je l'ai eu déjà. Ça va, c'est le premier boss, c'est easy. Mais c'est là le magasin général, non? C'est là, effectivement, c'est en plein milieu. Est-ce qu'on a donné... Attends, c'est quand la nif du maire? On l'a complètement passé, le maire. On a rien donné, je crois. Ah, je pensais que t'avais donné un truc au maire. Bah, on avait rien trouvé, mais on n'avait pas dû rien faire. C'est boss du stage 1. Oh, facile! J'y vais. Let's go. Vas-y, Onu. C'est genre Isaac, un peu, dans le délire. Mais je crois que j'avais joué un peu. Mais c'était pas mal, effectivement. Par contre, ça prend combien de temps le boss 1 pour pas que je vous retarde? T'inquiète, fais-le, c'est pour le bingo. Ouh, joli ça. Music banger. Ouais. Mais ça, du coup, c'est... Ah, j'ai trouvé un artefact, c'est bien.
Vous savez où je peux l'attraper, la fille du bois flotté? Je sais pas. Rarement, hein, mais en fait, elle se balade dans les prairies. Ah, va à la plage aussi, tu vois la plage tout à droite, là où Antoine a déverrouillé le pont. Elle peut être ici aussi pour peindre. D'accord. Non, j'ai jamais. On le fout pas plus, oh là là! Oh oui. Comment on a accès aux vaches? Les vaches? Bah, je sais pas, il y a des vaches. Les vaches, ça sera pour plus tard. Bon, y a un bingo pour les vaches? Non, mais y a, c'est peut-être dans les cases cachées, quoi. Ah ouais, c'est un peu dur, les vaches, ça coûte cher. Et surtout, il faut construire un bâtiment exprès. J'ai trouvé de l'or. Ah, le poisson lune, vous l'avez pas donné au... Ah bon? Bah, faut croire que non. Si ça clignote, c'est que tu peux le donner, effectivement. C'est qui ça? Bon, je peux pêcher un truc. Ah non, là-bas. À la plage, laquelle de plage? Il y en a qu'une, c'est tout en bas du village. Et après, tu passes à droite plage, et tu. C'est pas la plage à droite où il y a le. Putain. Il y a le pont qui a été réparé. Hein, c'est pas ça. Je voulais lancer sur des bulles et elles ont disparu pile quand je lançais ma canne à pêche. Voilà. Elle peut, hein, c'est pas garanti qu'elle y soit. Hein. Ou alors, aller au ponton de pêche, tu vois, sur tout à gauche, là où il y a Marnie. T'as un grand lac avec un ponton, elle peut être ici aussi pour peindre. Bonjour JDG. Non, mais c'est pas là qu'il faut. Attends. C'est un PZ2 là sur Stardew Valley, j'ai trop hâte. Trop hâte. Il l'a annoncé, c'est bon non? Pas encore mec. Ah, pas même. T'as spoilé, t'es trop con. C'était une blague. C'était une blague. Mais qui gratte. PZ2, c'est sur Star Citizen, tout le monde le sait pourtant. C'est sur Lican, bien sûr, il m'a demandé. Je l'ai dit parce qu'on sait jamais, tu vois, c'est peut-être un. C'est peut-être un bingo. Hein? Mentionner Star Citizen, c'est peut-être dans le bingo, tu vois, donc j'ai essayé. Ça doit être ça, ouais. D'accord, je pense, hein, pour DFG, ouais, sûrement. Moi, j'ai baisé un ours dans Baldur's Gate 3, je pense que c'est dans le bingo aussi. Ah, je peux pas avoir les munitions améliorées, c'est pas grave, c'est le premier boss. Faut que j'aille... Attends, merde. Faut que j'aille choper Marnie. Il est où le quartz? Dans un des coffres, bleu je crois. Ah mais en même temps, est-ce que vu que j'ai pas les cœurs activés, est-ce que ça sert à quelque chose que j'aille choper Marnie ou est-ce que je la chope demain plutôt? Non, demain. Pour être sûr. La chope. Mais là, il y a des poissons que ça sert à rien de les donner dans le centre communautaire qui sont dans des coffres, est-ce que je les vends? En vrai, oui. Ah oui, hein. Bouge de là, le chat! Oui, je les vends ce truc-là. Pousse-toi! OMG, putain, le chat au milieu du chemin! Oui, j'avoue, le chat, il s'est endormi en plus au milieu du chemin. Vous pouvez fonce dessus et ça le débloquera. Oh, doucement. Oh, défonce-le, la sale bête. Défonce-le, la sale bête. C'est moi le responsable chat et vous lui faites du mal. Bah, si t'es responsable, tu dois le défendre alors. Non, mais ça dit trop, ça en dit trop sur vous. Comment vous comportez avec le chat, ça en dit trop. Ouais, bien sûr. Non, moi j'adore les chiens. Bien, mec. Quartz, on garde tout ça. Le shad. Ah, c'est. Ça, on vend ça. Poireau pour la quête d'Emily. Mais je l'ai plus ce truc là, je crois. Non, elle avait une quête. Scam, non? Vous mentez, non? Pourquoi tu parles? Je parle en chat. Ah, mais il y a un méga raccourci là, putain, je vais trop passer par là en fait. Et aussi, juste, il va falloir qu'on se fasse aussi des haches en bronze là si on veut du bois dur là. En fait, il y a les arrosoirs en bronze à focus pour le bingo. Mais il y a aussi le bois dur pour pouvoir faire le bundle. Mais je pense vraiment que le bois dur, on peut l'avoir autrement. On peut l'avoir comment? On peut le drop. Alors, il y a les acajou pour ça. Sinon... C'est bois dur ou bois flotté? Bois dur. Il faut filer en cadeau, c'est ça? Non. Il faut le filer dans le centre communautaire. Parce que le bois flotté, il est marqué déchets. Vous êtes sûr que c'est un truc qu'on peut filer à Oui, oui, bien sûr. Tu peux filer de la merde. Hein. Mais après, tu sais, pour ce qui est de la hache, il en suffit juste d'une seule, hein. On n'a pas besoin de tous les faire. Hein. Ah ouais? Bah oui, c'est vrai. Bah oui, il y en a qu'un, ouais, y en a qu'un seul qui s'en occupe. 5 lingots de fer, ça en a et 2000 balles. De bronze, non? Ah non, bronze, ouais, c'est...
Pardon, oui, c'est ça, de bronze 2000 balles. C'est 2000 balles ? 2000 balles. Okay. C'est pas donné. Ouais, mais bon, c'est important. Et 5 lingots de fer. Là, mais là, aujourd'hui, j'ai vendu énormément de poissons. Donc, je pense qu'il y a moyen que c'est une journée qui va rapporter beaucoup de fric. Moi, j'ai bientôt fini le mini-jeu normalement. Fontaine, je suis bientôt c'est au sûr boss. Dans le bingo. Vous ah, bien ça. Ah, t'as pêché dans la fontaine ? C'est bien ça. Moi, je peux pas dormir encore. Hein. Ah, faut que je finisse le boss. J'y suis presque. Note, d'accord. Hein. Note, hein. J'ai pêché une pierre dans la fontaine. Maintenant. Ça fait pas plus 5. T'inquiète, on t'attend au Nutrem. Dans tous les cas, je pouvais pas y aller plus tôt. Hein. C'était midi pile. Ah ouais. Ça va, j'ai quand même 5 vies, donc je suis large. Je risque pas de mourir. Akajou, tu as les graines avec la hache ? De quoi j'ai les graines avec la hache ? On est à la moitié du temps, si jamais, messieurs, dames. Sachez-le. Ok. Sachez-le. Et il vient pas faire des bilans, des fois ? Genre, oui, juste pour vous dire que vous êtes... Non, il est juste en train de se moquer. Oui, généralement, il est assez désagréable. Là, voilà, j'ai pouvoir acheter les munitions. Oh, c'est... Oh, j'avais le what shot le boss. Vous avez donné à manger aux poules et tout, là ? Connu ? Allô ? Oui, pardon. T'as donné à manger aux poules ? Faut juste les caresser et faut ouvrir la trappe pour qu'elles aillent manger dans l'herbe. Bon, oui. Là, c'est la nuit. Mais en fait, il suffit juste d'ouvrir et elles mangent. Par contre, quand il pleut, faudra mettre du fouing. Et tu l'as fait ? Non, j'ai pas eu le temps. Attends, mais je vais ouvrir la trappe, comme ça sera fait. Ouais, demain matin, ils iront manger. Dans une vie, c'est pas grave. Voilà. Hop. Allez, sors, cowboy! C'est bon, t'as fini, Onu? Presque, il est un quart life là. Ouais, là, vraiment, on est au jour 10 du printemps. Vraiment, oh, c'est lent là. 2 heures, on a même pas fait la moitié de la première saison. J'ai battu le boss, du coup, je pense que je quitte le mini-jeu là, je vais pas plus loin. Hein. Ah bah, si. Demande à ton admin sinon, si tu veux être sûr. Je pense que c'est validé là, on est d'accord. Pour toi, ton admin, c'est Yeti Taneko. Yeti, est-ce que c'est good ou pas? Est-ce que je peux quitter le mini-jeu, Yeti? Mais c'est pas dangereux d'ouvrir aux poules la nuit ? Je ne sais pas, mais... Non, t'inquiète pas. Elles sortiront pas, elles dorment. C'est bon, c'est validé. Du coup, je peux quitter le mini-jeu. Let's go ! First try ! Dans mon chat, ils me disent qu'elles vont se faire croquer, les poulettes. Ils disent de la merde. Non, ils... Après, peut-être que la poule croquée, c'est dans le bingo, hein ? Non, les poules se font pas créco. Créco. Cré-cro-cro. J'arrive. Donc ça fait une case de bingo validée, ça. C'est bien ça. J'aurais préféré que ça soit finir le jeu entier, mais bon, bref. Bah au rythme auquel on va, on l'aurait pas, cette case de bingo. C'est pas possible. Bon là, j'ai vendu plein de poissons, normalement, aujourd'hui. Hein. 962, bon, c'est, je m'attendais à mieux. Un peu flopesque. On va pas se mentir.